Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous en ce samedi 15 mai 2021. Nous savons combien ce jour est précieux pour vous, car c'est généralement le moment de faire la grasse matinée ou encore de vaquer à certaines activités personnelles dont le train-train quotidien en semaine ne nous laisse pas suffisamment d'opportunités. Donc ce choix, je dirais, ce sacrifice témoigne éloquemment de votre engagement en faveur de la lutte contre toute forme de violence exercée envers les enfants. Donc, les châtiments corporels, qu'ils soient exercés à la maison, dans la rue ou en milieu scolaire, représentent une violation des droits des enfants, mais aussi et surtout l'irrespect de leur dignité en tant qu'être humain à part entière et entravent leur plein épanouissement. Qu'elles soient exercées dans les familles, dans la rue, comme je viens de le dire, ou en milieu scolaire, les violences représentent un mal à éradiquer. C'est en ce sens que la World Vision International Haïti a lancé, il y a tout juste 3 ans, sa campagne globale intitulée Ensemble, éliminons la violence envers les enfants. Ensemble, comme un appel à l'endroit de tous, leaders, éducateurs, religieux de tous bords, professionnels de tous genres, parents, influenceurs, pour stopper ce mal, comme je viens de le dire tantôt. C'est donc sur ces entrefaites, mesdames, messieurs, que j'ai l'heureux privilège de vous souhaiter à tous la plus cordiale bienvenue à ce webinaire autour de la discipline positive à l'école. Ainsi, ai-je donc l'honneur de passer la parole à notre directeur national, M. José Luis Jiménez León, pour ses propos de circonstance. Here, I take the advantage to hand the floor to our national director, José Luis Jiménez León. Thank you so much, Jean Weekends. Merci, merci beaucoup, Jean Weekends. Thank you, and thank you. And once again, thank you for your interest in such an important topic that we have today. Merci, merci et merci encore pour votre intérêt et pour ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui. My name is José Luis Jiménez. I'm the interim national director of this beautiful country. Mon nom est José Luis Jiménez et je suis le directeur intérimaire de World Vision dans ce beau pays. Yeah, I don't speak French, either Creole, yet. Je ne parle ni le français ni le créole, alors pas encore. But I will. Mais c'est pour bientôt. Let me share some important things. Et je veux partager des choses importantes avec vous. World Vision globally launched a campaign in 2017. World Vision, au niveau international, a lancé une campagne en 2017. And the name was It Takes a War to End Violence Against Children. Et la campagne était intitulée Ensemble, éliminons la violence envers les enfants. And we as a country in Haiti, we got engaged in 2018, proposing a very, very ambitious goal. Et nous, en Haïti, on a rejoint la campagne en 2018 avec des objectifs très ambitieux. What we propose is we will impact positively the life of hundreds of millions of children around the world. Et l'impact, c'était de toucher des millions d'enfants à travers le monde. Especially in our context, in Haiti, the same positive impact. Et dans notre contexte ici en Haïti, on veut voir les mêmes impacts positifs. To those children to end the violence against them. Envers ces enfants pour éliminer la violence qui est exercée envers eux. There is no way to that the World Vision can do this alone. Il n'y a aucun moyen pour que World Vision puisse y arriver tout seul. This is a collective effort. C'est un effort collectif. So we are not alone. We don't pretend to do everything by ourselves. Nous ne sommes pas seuls et nous ne prétendons pas pouvoir le faire tout seul.
it is not possible to even to get this goal by ourselves. It's not possible. Et ce n'est pas possible d'atteindre cet objectif de par nous-mêmes. So what we are asking is the commitment, action, collaboration from all the partners across all the sectors. Et ce que nous demandons de tout un chacun, c'est leur collaboration, tous les acteurs de tous les secteurs. To end the violence against children in our country. Pour éliminer la violence envers les enfants dans notre pays. So we are expecting that as a whole, as a global campaign, we are expecting that by 2030, we will be free of all forms of violence against children. Et au niveau international, nous souhaitons voir la fin des violences envers les enfants d'ici l'année 2030. You may think that this sounds very utopic. Vous pouvez penser que cela est très utopique. But we need to dream high. Mais nous devons rêver grand. And this is not possible if we don't do it together. Et ce ne sera pas possible si on ne le fait pas ensemble. On behalf of World Vision Haiti, I really welcome everybody again. Au nom de World Vision Haiti, je vous dis la bienvenue. For this opportunity to share knowledge and to be sensible to this topic. Pour la possibilité de partager nos connaissances autour de ce sujet. And we expect that from here we will take some concrete actions. Et nous espérons et souhaitons pouvoir faire des actions concrètes. As I'm sure that many of you are doing right now. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont en train d'en faire maintenant. This is a very high bar, I know. Et la barre est très élevée, je le sais. But our country and our children deserve that. Mais notre pays et nos enfants le méritent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre directeur national, M. José Luis Jiménez Léon, pour ses propos. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre directeur senior des opérations ici à la World Vision International Haïti, le docteur Margel Leslie Michaud. Alors, je l'ai dit à l'inverse, mais c'est plutôt le docteur Michaud que nous invitons maintenant à prendre la parole. Bien, bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir de participer ce matin. Laisse-moi tout d'abord remercier les panélistes d'avoir accepté de prendre part à cet effort collectif pour pouvoir mettre fin à la violence en Haïti. Mais je veux remercier tous les participants. Ça montre l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je sais que c'est un sujet un peu difficile parce que culturellement, c'est très accepté chez nous. Le pourcentage de violence l'exprime quand on sait que 85% des enfants sont victimes de violence et que le châtiment corporel et d'autres formes de violence créent tellement de problèmes dans cette société et que ça crée tellement de problèmes chez les enfants. Parce que quand on parle de châtiment corporel, on parle de fouet, on parle de bastonnage, de bastonnade, on parle de mettre un enfant à genoux, mettre un enfant sur un pied pendant plus d'une heure de temps. On parle aussi de d'autres formes de violence physique. Mais on parle aussi d'humiliation. On parle d'humiliation dans le sens que certains enfants, quand ils n'apprennent pas bien à l'école, sont traités de crétins, de nuls, créant cette phobie chez les enfants. Et à titre de phobie, je peux partager mon expérience avec vous. Je me souviens encore que quand j'étais à l'école et que j'étais en élémentaire 2 et qu'on devait passer en moyen 1, la peur qu'on avait d'un professeur, un professeur qui battait tellement les enfants, il y avait cette peur. Et quand, à un certain moment, l'un des élèves s'est battu avec le professeur et le professeur a laissé l'école, on était tous contents. On n'aurait pas dû arriver jusque-là, voir les enfants contents parce qu'un professeur a été frappé, un professeur a laissé l'école. Mais ce sont des séquelles même de cette violence exercée sur les enfants. Mais il y a aussi d'autres conséquences, des conséquences encore plus graves qui sont l'abandon scolaire. Et à titre, je peux partager une autre expérience que je connais. L'un de mes cousins me racontait l'histoire d'un jeune qui était en classe avec lui. Et ce jeune... Je suis du Nord-Ouest, je suis de l'Anse-à-Fouleur, et ce jeune
devait marcher plus d'une heure de temps pour venir suivre les classes dans le bourg, dans sa folie. Et ce jeune, comme il ne connaissait pas toujours ses leçons, il était battu, les enfants se moquaient de lui et il a dû abandonner l'école. La question qu'on se pose, c'est combien d'enfants ont abandonné l'école à cause de ces situations. Nous le savons tous, nous savons qu'ils sont beaucoup. Et le problème avec la violence, le châtiment corporel, c'est que beaucoup d'entre nous pensent encore que les châtiments reçus ont joué un rôle dans notre réussite d'aujourd'hui et beaucoup en font encore la promotion. La promotion est faite par des personnes bien placées, des personnes qui auraient dû aider. Mais ce n'est pas leur faute non plus. Ils ne connaissent pas d'autres méthodes alternatives. Et c'est dans ce but que World Vision, en travaillant avec les partenaires, tant les partenaires communautaires, tant les partenaires au niveau national, nous sommes en train de conduire cette campagne pour mettre fin à la violence faite aux enfants, pour présenter des méthodes alternatives, pour essayer qu'il y ait une compréhension beaucoup plus approfondie. Je me souviens encore quand j'étais en classe, l'un de mes amis, il était battu tous les jours parce qu'il ne connaissait pas ses leçons. Mais personne n'avait pris le temps d'investiguer, de chercher, de savoir pourquoi il ne connaissait pas ses leçons. Il était uniquement battu, il était traité de crétin, il était traité... Ce sont des séquelles qui m'est restées personnellement, lesquelles nous ont conduit aussi à prendre part à cette campagne. Si on était victime, on ne peut pas continuer à promouvoir cette pratique. Il faut donc la changer, il faut voir comment l'améliorer. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, des milliers d'enfants en sont victimes. Tous, nous en sommes témoins, soit un voisin, soit à l'école. S'il fallait partager des témoignages ce matin, on allait avoir tellement de témoignages à partager. Mais essayons de changer les choses. Il doit y avoir un changement de paradigme. Il y a un besoin de faire les choses autrement. Maintenant, nous voulons nous trouver dans la situation où nous pouvons partager les modèles positifs, où nous pouvons parler de changement réel, de comment les enfants sont bien traités. C'est ça notre rêve. Notre rêve, c'est de voir ce changement. Et c'est pour cette raison que, comme je viens de le dire, je suis content de voir autant de partenaires, autant de personnes. Cela montre l'intérêt que vous montrez. Cela montre combien ce changement de paradigme est perçu par beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Combien il est important de participer à cette campagne. Combien il est important de faire comprendre à beaucoup d'autres qu'il y a des méthodes alternatives. J'étais content de voir l'autre jour quand la situation s'est passée dans une école dans les environs de la capitale et qu'il y avait un parent, il y avait quelqu'un qui a pu filmer un parent qui était en train de battre son enfant dans une école. Et ça a fait écho au niveau national. Le ministère de l'Éducation nationale a dû prendre des mesures. Beaucoup d'autres personnes ont pris des mesures. Ça ne s'est pas passé dans l'indifférence. Ça, c'est un signe positif. Nous voulons voir beaucoup d'autres signes comme cela. C'est pour cette raison, ce matin, avec autant de personnes présentes sur ce webinaire, je suis content. Il y a de l'espoir. Cela montre que nous devons changer les choses. Nous devons faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour changer, parce que notre avenir en dépend. Ce n'est pas uniquement l'avenir du pays, mais notre avenir en dépend. Le progrès de ce pays, le changement, ce que nous voulons voir vers ce pays, en dépend grandement. C'est pour cette raison, je vous en remercie. Je demande à chaque personne d'assumer une certaine responsabilité, de voir comment nous allons passer les messages, comment le rôle qu'on doit jouer pour faire passer ce message, le rôle qu'on doit jouer pour éduquer d'autres personnes, de montrer, de faire preuve d'une certaine flexibilité, de compréhension, parce que beaucoup de personnes qui adoptent ces comportements, c'est par ignorance, de n'avoir pas été exposées à d'autres méthodes alternatives. Soyons un groupe qui peut faire écho, un groupe qui peut sonner le lambi du changement, qui peut faire en sorte que la situation s'améliore et que les enfants deviennent des amis de l'école et que l'école ne soit plus perçue comme un ennemi, un espace à éviter, mais un espace où l'enfant vient, où l'enfant apprend, où l'enfant se sent protégé. C'était là mes mots, c'était là une façon de vous remercier et c'est aussi une façon de vous inviter. Merci. Merci beaucoup, Dr. Michaud. L'école comme espace accueillant, comme espace où l'enfant se sent
protégés. Ce sont, en tout cas, en ce qui me concerne, les propos que je retiens dans cette conclusion de votre intervention. L'importance de la pratique de la discipline positive en Haïti, c'est sur cette thématique, disons sous-thématique, que notre directrice d'engagement public, Fedora Pierre-Louis, va intervenir. Mais avant son intervention, je tiens à souligner à l'attention de tous les participants qu'ils auront la possibilité de poser des questions dans le Q&A qu'ils remarquent au bas de l'écran. Donc, si vous avez des questions, vous aurez la possibilité de les poser et nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Mais ce sera après les deux premières interventions. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Et maintenant, la parole à notre directrice d'engagement public, Madame Fedora Pierre-Louis. Bonjour à tous, merci d'être branchés. Je vais juste partager mon écran bien rapidement pour qu'on puisse suivre ensemble cette présentation. Je vous remercie encore d'être branché. Donc, comme Dr Michaud l'a dit avant moi, c'est extrêmement important et urgent d'agir sur cette thématique aussi vaste. Donc, on va essayer d'apprendre ensemble pour mieux appréhender l'importance de la discipline positive dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'enseignement. Et on a structuré cette présentation en quatre niveaux et question de le faire en micro-ondes. Donc, d'abord, on va découvrir des éléments bons à savoir, ensuite des éléments à comprendre, des éléments à explorer et puis des éléments à retenir. Donc, ensemble, nous allons débuter cette petite promenade pour mieux comprendre et appréhender la discipline positive. Donc, d'abord, on va essayer de comprendre le concept de discipline positive. En soi, la définition de discipline vient du mot latin disciplina, qui est l'action d'instruire. Donc, ça suppose que la discipline ne rentre pas en jeu quand l'enfant il commet une erreur et qu'il faut le corriger, sinon que c'est une action constante d'instruction, une action constante de guider un élève, de guider un enfant qui suit un personnage qui est vénéré, qui est admiré, ou bien alors qui suit une vérité. Et l'adjectif positif est là pour justement montrer que nous n'allons pas nous concentrer seulement sur l'aspect négatif, mais plutôt sur l'aspect positif de l'enseignement, sur l'aspect positif de l'instruction. Donc, nous allons utiliser des techniques positives pour se concentrer sur le résultat positif à long terme que nous cherchons à atteindre pour la modification du comportement de l'enfant. Et en ce faisant, nous allons essayer aussi d'outiller les enfants de compétences et capacités socio-émotionnelles pour qu'ils puissent à leur tour manœuvrer des situations complexes et des situations qui méritent un calme et qui méritent une tranquillité et une sérénité pour être abordées. Donc, le processus qui, avec le bâton, peut être interrompu, avec la discipline positive, ce processus-là va être encouragé. Donc, plus précisément, la discipline positive propose aux parents,
aux enseignants et aux éducateurs un ensemble d'outils et une méthodologie qui est ni permissive ni punitive. Qui ça, ça veut dire, moi, dit la créole, pour que tout le monde comprenne moins bien. Discipline positive, là, c'est pas laisser aller, laisser faire que lié. Discipline positive, là, il y a fermeté et il y a bienveillance. Donc, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure, une méthodologie qui nous permet de développer chez l'enfant l'autodiscipline, le respect, le sens des responsabilités, l'autonomie, l'envie d'apprendre, aussi et l'estime de soi et bien d'autres qualités essentielles. Donc, ceci dit, nous allons continuer dans notre promenade. Là, il faut mettre une précision sur les éléments à comprendre quand on parle du châtiment corporel. D'abord, c'est un beau nom qu'on le donne, le châtiment corporel. Nous avons un très bel nom, mais c'est un bagage qui est très violent. C'est l'utilisation de la violence pour discipliner. C'est une méthodologie qu'il faut étiqueter comme il le faut. Donc, il faut appeler un chat un chat. Donc, d'abord, je veux faire la différence. L'utilisation de la violence pour discipliner, ce n'est pas seulement le bâton, c'est aussi la violence verbale, la violence émotionnelle contre l'enfant. Mais d'abord, pour mieux comprendre le bâton, il faut l'étiqueter, il faut le nommer. D'accord? Donc, on dit châtiment corporel, on dit violence physique, mais on peut aussi dire agression. Donc, on ne peut pas nier que les châtiments physiques, les coups ou bien la violence verbale sont une forme d'agression. Et ils sont considérés comme agression quand ils sont réalisés ou bien effectués contre un adulte. Donc, à plus forte raison quand ils sont réalisés contre un enfant. Donc, le concept reste le même. Le châtiment corporel, le bâton ou bien la violence verbale, violence émotionnelle, c'est une forme d'agression. Donc, le fait de l'appeler agression lui donne une étiquette appropriée. Donc, une agression dans sa définition, c'est quoi? C'est un acte qui est destiné à faire craindre une autre personne à un contact imminent, nuisible ou bien offensant, à un danger. Donc, une agression est un élément essentiel de l'agression, c'est l'intimidation. Et donc, quand on utilise la violence pour discipliner, on intimide pour faire peur, pour craindre et pour utiliser ce prétexte comme une correction. La deuxième façon de comprendre l'utilisation de la violence pour discipliner, c'est de le comprendre d'une perspective abusive. La punition physique, c'est comme une trahison de confiance. Ce qui rend les punitions physiques particulièrement abusives, c'est que les enfants, ils attendent de leurs parents beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Donc, c'est nous-mêmes que Timon a admiré. Ils dépendent de nous à tout niveau, à niveau émotionnel, niveau financier, niveau intellectuel, pas vrai? Donc, leur, par exemple, discipline en fait de manière physique, si on trahison de confiance, ça, nous parlons avec une fois, le parent yo-même, yo gain recours avec bâton, hein, li dérange relation entre enfant et parent. Li fait que Timoun n'a pas vienne sentir à l'aise pour li et partager des séries de sentiments, des séries de situations que l'a traversé émotionnellement ou bien réellement. Donc, l'abus physique qu'on fait sur l'enfant, aussi porte atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Et donc, ça enlève de la confiance que l'enfant peut faire à son parent. Ça affecte aussi les relations entre enfant et parent et le niveau de confiance qui doit être établi au sein de ces relations. Donc, ça met en sécurité, justement, le sentiment de confiance que l'enfant doit partager avec un parent et pour qu'il puisse lui-même, à son tour, l'aider à se développer et l'aider à grandir. Donc, toute forme de punition, qu'elle soit physique, toute forme de violence, qu'elle soit verbale, émotionnelle ou bien alors physique, peuvent être considérées comme une forme d'agression, une forme d'abus. N'est-ce pas? Parce que aussi, il faut noter que là, quand on compare les forces entre l'enfant et l'adulte, l'adulte est beaucoup plus fort que l'enfant. Donc, quand quelqu'un qui est déjà en position de pouvoir exerce une autorité violente sur quelqu'un d'autre, c'est un abus.
Donc, il faut appeler un chat un chat. On appelle le châtiment corporel agression. On appelle le châtiment corporel abus. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui pensent que le châtiment corporel, le bâton, c'est aussi une forme d'exercer son autorité. Mais au fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est indéniable qu'élever un enfant, c'est une tâche extrêmement difficile. Extrêmement difficile, surtout si on essaie de faire en sorte que l'enfant suive une route droite, que l'enfant ne se perde pas en chemin. Donc, on sait aussi qu'avec le contexte dans lequel nous vivons et les pressions financières, les engagements personnels qu'on a, les engagements professionnels, le stress du pays, c'est extrêmement difficile de gérer sa patience et de trouver d'autres méthodologies d'exercer son autorité sans porter atteinte à l'intégrité émotionnelle ou l'intégrité physique d'un enfant. On sait que c'est difficile. Cependant, c'est extrêmement important pour les éducateurs et pour les parents de développer leurs compétences en matière de gestion de la colère. Surtout quand il s'agit d'une situation de stress. C'est extrêmement important aussi pour les éducateurs et les parents de développer leurs compétences en méthodologie de discipline positive et trouver un antidote au châtiment corporel. Donc, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de pratique pour pouvoir vraiment exercer son autorité sans avoir à recourir à la violence et surtout sans avoir à recourir à la soumission, parce qu'il y a des moyens pédagogiques bienveillants et fermes qui permettent à un éducateur ou bien à un parent d'exercer son autorité sans violence, sans soumission. Donc, c'est extrêmement important, quand on voit qu'on a des limites dans ce sens, de chercher à développer ses compétences et chercher à développer ses capacités pour vraiment encourager la coopération de l'enfant, encourager son sens de responsabilisation, et tout en le faisant, en étant ferme et bienveillant. Ensuite, je veux vous inviter à explorer des pistes. Extrêmement important d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, comme j'ai une limite de temps, je ne pourrai pas aller trop en profondeur. Mais c'est important d'en parler, comme ça vous pourrez vous-même, suite à ce webinaire, développer vos connaissances en ce sens. Donc, d'abord, le premier concept, c'est que la discipline positive aide le développement de l'enfant à long terme. Donc, cette méthodologie, c'est une méthodologie qui aide l'enfant à développer chez lui ce qu'on appelle l'autodiscipline, le sens de la responsabilité. Mais c'est la discipline positive qui enseigne aux enfants et qui doit, alors quand on l'utilise, il doit guider leur comportement tout en respectant les droits que l'enfant a d'avoir un développement sain, un développement, une protection aussi contre la violence et encourager la participation à leur apprentissage. Donc, la discipline positive, c'est une méthodologie qui s'appuie sur des recherches de développement sain de l'enfant et qui se repose, on va voir ça tout à l'heure, sur les principes de droit de l'enfant. Donc, la discipline positive, ce n'est pas une question, comme j'ai dit tout à l'heure, de permissivité ni de punition physique. Donc, il s'agit plutôt de développer chez l'enfant des compétences qui vont durer toute sa vie et qu'il pourra lui-même appliquer à tous les niveaux de sa vie. Donc, quand on parle d'autodiscipline, par exemple, il peut l'appliquer à tous les niveaux de sa vie. Mais faut-il bien qu'il ait quelqu'un pour le guider et qu'il puisse aussi développer chez cet enfant les outils ou bien l'utilisation, le recours à ces outils pour que lui-même, il puisse apprendre qui est l'empathie, le respect de soi, okay, le respect des autres, sans avoir à recourir à la violence. Ensuite, un autre concept, une autre piste à explorer, c'est que la discipline positive est constante et cohérente. En plus, on pensait que c'est le petit monde qui fait des ordres pour le discipliner. Et c'est là que l'erreur est liée dans la majorité des fois. Donc, ce n'est pas le petit monde qui fait des ordres pour discipliner. Discipline, c'est un bagage qui fait constamment, qui t'a dû faire constamment, et il doit faire depuis le petit monde, lui-même, le petit bébé. Puis, attendre que c'est le petit monde qui commet une erreur, c'est l'heure à discipliner. Non, l'heure, c'est le ça pour corriger, pour guider. Mais discipline, il a besoin de commencer depuis petit monde, petit bébé. Donc, c'est une approche cohérente qui permet aux enfants de maîtriser leur comportement. Donc, qui gentil monde, étant là, grandit plus, ça vient de maîtrise de comportement, c'est si depuis le petit, nous balis des outils ou bien nous-mêmes, nous utilisons méthodologie de discipline qui permettent de lui-même rester dans la route là.
Donc, c'est extrêmement important d'être cohérent. Ça veut dire nous pas qu'à mordre, délaguer. Donc, ce que un parent dit, l'autre parent doit le dire également. Ça signifie aussi que qu'il faut établir des règles, il faut établir une routine, il faut donner à l'enfant un cadre d'évolution, qu'il sache ce qui doit être fait. Donc, il faut communiquer les règles également. Donc, c'est extrêmement important, que ce soit dans les tâches ménagères qu'on donne à l'enfant, que ce soit dans ses tâches académiques. C'est important que l'enfant puisse être au courant des règles. C'est même important qu'il participe à l'élaboration de ces règles. Il faut qu'on en parle, il faut qu'il soit bien imbu de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Ne laissez pas ça à leur compréhension libre. Et puis quand ils font une erreur, les rappeler à l'ordre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut nécessairement renforcer la cohérence dans la méthodologie de discipline positive. Donc ça signifie que si on est dans une relation biparentale qui a la maman, qui a le papa, c'est extrêmement important d'agir ensemble et de réagir de manière à ce qu'on puisse avoir une cohérence entre les deux méthodologies des parents. Maintenant, une autre approche, un autre concept important à explorer, c'est que beaucoup de personnes pensent que la violence envers l'enfant est biblique, ça vient de la Bible. Mais aujourd'hui, je veux que vous puissiez aller un petit peu plus loin avec ce concept. La violence envers les enfants n'est pas biblique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais essayons de voir comment Jésus a montré son amour aux enfants. Et je sais que vous allez sortir avec des versets du chapitre du livre des Proverbes. Mais moi, je veux aussi vous inspirer à explorer un petit peu plus loin et à chercher, par exemple, dans Marc 10, versets 13, 14 et 16, dans Matthieu 18, versets 2 et 4, pour voir comment est-ce que Jésus lui-même, il nous invite à pratiquer l'humilité quand on considère les enfants. Il nous exhorte aussi à prioriser les enfants, à les protéger. Pas vrai? Donc, tout au long de son passage, autant de fois que possible, il nous a rappelé l'importance des enfants. Donc, c'est important aussi d'explorer un petit peu plus loin comment est-ce que Jésus veut qu'on traite les enfants pour ne pas justifier ou bien mésinterpréter une version de la Bible qui a été traduite en plusieurs langues. Donc, autre considération à faire, j'ai parlé de Marc 10, versets 13, 14 et 16. Je veux parler de Matthieu 18, versets 2 et 4, et Psaume 127, versets 3 et 5, et Éphésiens 6, verset 4. Il y en a encore plus, mais je vais m'arrêter là pour cette piste à explorer. Ensuite, des informations à retenir. Je vais vous laisser avec trois informations essentielles à retenir. L'enfant Les enfants n'ont pas encore développé la capacité ni le réflexe d'utiliser le cerveau. Donc, leur cerveau est encore en développement. Donc, je veux m'assurer que tout le monde le voit et que tout le monde voit ma main. Allons prétendre que ça, c'est le cerveau d'un enfant, OK, avec la main, ce que vous voyez sur votre écran également. Donc, avec ça, pensez que le cerveau d'en bas, c'est le cerveau d'en bas qui gère toutes les émotions fortes. La colère, la frustration, l'amour, c'est ici, c'est à ce niveau. Et le cerveau d'en haut, c'est ce cerveau-là qui gère les émotions logiques, alors les réflexions logiques. L'enfant, il n'a pas tout le temps la capacité de faire le lien, surtout quand il est en situation de frustration, de colère ou bien de survie. Donc, quand par exemple, il y a un stress chez l'enfant, le cerveau, le couvert du cerveau s'ouvre. Et donc, sa capacité de penser logiquement, de réagir calmement, de réfléchir, il ne l'a plus. Donc, quand l'enfant est sur le stress, son cerveau, il est comme ça. Donc, le couvercle s'ouvre et donc, il n'a vraiment pas la capacité de réfléchir, de s'exprimer logiquement. Parce qu'ici, c'est là qu'il ressent toutes les émotions fortes. Donc, il n'y a pas encore de connexion. Donc, c'est aux parents maintenant d'outiller l'enfant, de lui donner les outils nécessaires pour que lui-même, il puisse être en mesure de se contrôler et de gérer ses émotions et d'agir avec logique quand il est en situation de frustration. Donc, encore là, on a le cerveau d'en haut. C'est là qu'on apprend à penser, à réfléchir logiquement.
c'est là que c'est le siège de l'intelligence, et là, c'est le siège des émotions. Et l'enfant, il n'a pas encore, quand il est en situation de survie, il n'a pas encore le réflexe de faire la connexion entre les deux. Donc, là, nous pensons que n'a agi en bien pour Timounan, pour nous apprendre ni avec un bâton, vraiment, les Timounan a souffri, les Timounan en colère, les Timounan peur, les Timounan stressés, li pas, c'est pas meilleur moment pour lui apprendre, parce que c'est difficile pour lui réfléchir logiquement, il n'a pas une capacité ça, physiologiquement, il n'a pas une capacité ça. Donc, c'est important, c'est une modélisation qui est très parlante et très instructive, que je vous invite à explorer, et sur lequel il faut réfléchir en tant qu'éducateur et il faut réfléchir en tant que parent. Comment est-ce que nous pouvons outiller les enfants pour que quand ils passent en mode de survie, ils puissent quand même faire ces connexions. C'est pareil pour les adolescents. Donc, on dit que le cerveau, il est complètement développé à 25 ans. Donc, ça, c'est un élément à retenir. Un autre élément à retenir, c'est que lorsque les adultes, ils recourent au châtiment corporel, ils apprennent à un enfant que frapper, c'est un moyen acceptable de gérer une situation. Donc, ça, c'est une piste à retenir. Quand on utilise la violence pour gérer une situation, l'enfant, ce qu'il apprend, c'est qu'avec la violence, il va pouvoir gérer une situation qui est frustrante, une situation où il ne peut pas vraiment exprimer de la patience. Donc, plus ils sont frappés, plus ils vont avoir ce réflexe d'utiliser la violence comme méthodologie de solution. Et on voit ce que ça donne dans une société. Donc, perpétuer la violence, l'exercer, peut perpétuer la violence chez l'enfant. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant ne va pas pouvoir avoir la capacité intellectuelle de chercher d'autres moyens de résoudre ses problèmes. Donc, il va lui-même, s'il est agressé, quand lui-même il est en situation de frustration, de colère, il va lui-même agresser l'autre. Et on voit ce que ça donne dans une société comme Haïti. Donc, c'est extrêmement important de réfléchir à ce fait et de le retenir pour vraiment vous encourager à chercher d'autres moyens qui puissent vraiment éliminer les comportements perturbateurs, éliminer les comportements agressifs chez l'enfant et plus tard dans la société. Ensuite, le dernier élément à retenir vraiment, c'est que dans le cadre de la discipline positive, il nous faut trois outils extrêmement importants. Donc, je dis toujours, nous aller à l'école pour nous apprendre docteur, nous aller à l'école pour nous apprendre éducateur, pour nous apprendre professeur, pour nous apprendre faire ça n'a fait dans la vie, non? Mais seul bagage nous parle à l'école pour lui, c'est pour nous apprendre parents. Donc, il y a un pile monde qui négligeait développer compétences, développer capacité pour nos parents. Il faut que nous prenions responsabilité ça avec un pile humilité pour nous connaître que nos parents n'ont pas vraiment maîtrisé toute bagaille. Nous pas vraiment connaître qui gens pour nous faire toute bagaille. Parce que pas grand monde qui vraiment apprend nous, autre que exemple que nous-mêmes nous recevoir, autre que ça que nous voir. Mais il est important que nous développions compétences nous dans ça. Donc, c'est extrêmement important de savoir que dans le cadre de l'application de la discipline positive, il faut avoir une maîtrise ou bien une connaissance sur le développement sain de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant il se développe à 2 ans? C'est différent de l'enfant qui a 12 ans. Comment est-ce qu'il réagit physiologiquement? Ou bien qu'est-ce qui se passe chez lui qui explique son comportement? Un autre outillage qui est extrêmement important, c'est la recherche de bonnes méthodes d'éducation. Donc, constamment s'instruire et constamment développer ses compétences pour renforcer les méthodologies éducatives que l'on veut utiliser à la maison ou bien à l'école. Et puis finalement, les principes des droits des enfants. Quand on gère les enfants, ou bien quand on travaille avec les enfants, quand on a des enfants, il faut qu'on soit imbu de leurs droits. Parce que nous sommes tous garants des droits des enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut garantir quelque chose qu'on ne connaît pas? Ce n'est pas un document qui est trop large, c'est un document de 54 articles. Donc, je vous invite à aller vers ce document, à le lire, le discuter avec vos enfants. Pas vrai, parce qu'il faut eux-mêmes qu'ils soient au courant de leurs droits pour que vous puissiez vraiment renforcer le cadre d'application de la discipline positive. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que dans la théorie de la discipline positive, la théorie de l'attachement,
On dit que les comportements des enfants sont surtout motivés par les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant qui se comporte mal, c'est parce qu'il a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, certaines fois aussi, ce que l'enfant utilise pour vous montrer ce besoin-là, c'est ce qu'on appelle un objectif mirage. Il peut vous montrer qu'il est en colère, mais au fait, ce qu'il cherche, c'est un petit peu plus de temps. Juste ce que vous ne savez pas, il y a une étude qui a été conduite et qui montre que, en général, en moyenne, les parents passent seulement 11 minutes avec leurs enfants au cours d'une journée. Donc, ce qui veut dire que l'enfant, quand il cherche l'attention du parent, quand il cherche une confirmation de tendresse et d'amour, on n'a pas cette occasion souvent de renforcer ça chez l'enfant. Donc, c'est important de développer la décodification, n'est-ce pas, de l'expression d'un besoin d'un enfant. Donc, c'est important aussi, dans le cadre de la discipline positive, de comprendre qu'une réponse que donne un enfant, ou bien un comportement que montre l'enfant, peut être une réponse qui est liée à une situation que l'enfant ne peut pas résoudre. Un comportement, une attitude que l'enfant présente, peut être une réponse qui est liée à une frustration affective chez l'enfant. Quand l'enfant, il se comporte d'une façon qui n'est pas correcte, ça peut être une réponse qui est liée à une surcharge émotionnelle, que l'enfant soit stressé ou bien qu'il soit anxieux. Donc, c'est important pour les parents de pouvoir décodifier le langage des objectifs mirages et des comportements des enfants pour vraiment pouvoir savoir identifier l'objectif réel qui est caché derrière le comportement inapproprié d'un enfant pour vraiment l'adresser de façon utile et pour comprendre aussi les causes et mieux répondre aux mauvais comportements de l'enfant. Je pense que mon temps est révolu, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie encore d'avoir prêté attention. Merci beaucoup, Fedora, pour cette présentation, l'importance de la discipline positive. Donc, c'est la thématique qui a fait l'objet de votre intervention. Donc, je rappelle aux participants qu'ils auront la possibilité de poser leurs questions dans le Q&A en bas. Donc, ils peuvent continuer à le faire. On a commencé à recevoir quelques questions. Et il y a aussi des commentaires du genre, est-ce que ça tourne vraiment autour de la discipline positive à l'école? Mais il faut toujours une mise en contexte. Donc, je pense qu'il faut vraiment vous mettre dans le bain avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, il ne faut pas vous faire de soucis en ce sens, on va y arriver. Et tout de suite, on va passer à l'intervention de Nadine Paul Deroli autour de l'impact de la violence sur l'apprentissage des enfants. Donc, c'est encore cette sous-thématique qui va être développée. Ici, merci de continuer à participer à ce webinaire autour de la discipline positive en milieu scolaire. Merci de votre attention. Nadine Paul Deroli. Bonjour tout le monde, comment vous êtes? Non, PAM, c'est Nadine Paul Deroli, fondatrice et PDG Mouvement Enseye pour Haïti. Je voudrais remercier et féliciter toute l'équipe World Vision pour l'invitation. Enseye pour Haïti qui s'allie. C'est un mouvement social qui a équipé une nouvelle génération citoyens leaders haïtiens. Depuis nous lancer dans l'année 2014 pour arriver dans fin année 2025, nous avons équipé 50 000 leaders haïtiens qui a transformé le système éducatif nous ensemble. Jusqu'à présent, nous avons trois programmes principaux. Nous avons un programme pour anciens leaders qui recrutent chaque année. Nous avons un programme pour parents leaders et puis nous avons un programme pour directeur l'école. C'est trois roches du feu, c'est trois groupes que nous avons qui doivent collaborer et travailler ensemble pour nous arriver à transformer le système éducatif pays. Nous. Dans ces Haïti, nous voulons décoloniser le système éducatif pays. Nous. Pour l'éducation, nous avons une vraie source, une force dans l'effort pour la libération de tout haïtien. Nous avons pile croyance dans l'enseignement pour Haïti, en pile approche tout que nous utilisons pour nous arriver à atteindre l'objectif. Même temps, je vais souligner trois croyances.
premier croyance là, c'est tout petit monde mérite joine bon genre qualité éducation. Tout petit monde. Pour nous même éducation son droit humain. Mon deuxième croyance, c'est comment pour nous réintégrer richesse pays nous, richesse identité nous, richesse histoire pays nous dans tout ça qui fait dans enseignement apprentissage. Dans enseigner pour Haïti, nous relèl 3K. Kilti, coutume, communauté. Ces 3K ça yo nous même nous quoi qui ta doit réintégrer dans tout ça nous fait pour nous capable équiper nouveau génération citoyen leader sa yo ki fier de identité. Et puis en troisième croyance, moi ta aimé partager avec nous, c'est importance leadership. Dans ces pour Haïti, nous croyons dans leadership collectif parce que mais en pile chaille pas lou. Nous croyons dans fait combit pour tout le monde ka collaborer dans atteindre objectif collectif nous yo. Nous croyons dans leadership transformationnel tout. Parce que depuis ou a identifié que gen un problème et puis nous doit identifier une solution, nous connaissons pour Haïti que faut qu'on bien travaille pour comprendre racine problème là et puis collaborer pour arriver transformer situation jusqu'à ce que solution existe. Moi je voulais clair que nous même dans ces pour Haïti là n'a parlé de éducation, nous pas ouais seulement ça qui fait dans salle classe ou bien dans l'école parce que pour nous même éducation, il fait tout partout. Li fait dans média, li fait là un parent a parlé avec petit li fait entre un groupe moun qui vivent ensemble dans une communauté ou bien un quartier. Donc tout ça rentre dans éducation et comment nous même dans ces pour Haïti n'a travail avec ancien leader, parent leader, directeur l'école pour nous pas seulement transformer espace ou bien structure l'école là mais pour nous transformer comment nous ouais éducation dans toute une communauté. En général, nous ouais que travail nous ta doué développer connaissances, compétences et mentalité tout citoyen à travers une autre approche enseignement apprentissage et c'est dans ce sens à tout que nous centrer leadership dans tout ça que nous fait. Donc sujet ça discipline positive moi vraiment apprécié opportunité pour nous parler sur approche enseignement pour Haïti gagner les n'appeler intégrer discipline positive dans système éducatif nous parce que c'est une priorité pour enseignement pour Haïti depuis mouvement été lancé dans l'année 2014. Pour nous-mêmes, nous voyons que c'est un sujet important parce que c'est une façon nous capables de voir racine problème qui existait dans le système éducatif nous et en même temps une solution qui concrète. Faut nous connaît côté problème dans sorti parce que souvent nous remarquons que gagne pile monde qui voit que gagne problème, que gagne défi et gagne difficulté dans le système éducatif nous. Mais nous pas qu'à presser identifier solution yo sans nous pas comprendre nan problème nan racine problème yo sinon peut-être nous ka utiliser une solution qui pas efficace qui pas durable ou bien qui pas vraiment adapté à réalité nous à contexte nous ici en Haïti. Donc on parler de racine problème nan nous pas ka sauter pour parler de racine positive sans pas identifier que problème nan li sorti nan tout zak violence qui fait tout ti moun ou bien en dans un espace l'école. Donc châtiment corporel, n'a parlé de bâton, de fouette et faut pas oublier tout, il y a l'autre type de châtiment, il y a châtiment verbal, émotionnel, psychologique. Nous même dans ces pour Haïti, nous voyons que châtiment corporel, il représentait en pratique qui montrait que jusqu'à présent, système éducatif nous il était colonisé. Nous fiers, on a parlé de 1804, nous fiers, nous voyons tout effort haïtien fait pour nous libres, pour nous indépendants. Mais malheureusement jusqu'à présent il y a quelques aspects, quelques pratiques dans la société nous qui reflétaient réalité que nous pas libre tout bon. Donc châtiment corporel pour nous même dans ces pour Haïti, il pas en pratique haïtien. Il y a pile monde qui défend pratique là qui utilisait jusqu'à présent qui croit que c'est comme ça l'était, c'est comme ça toujours est. C'est comme ça yo même peut-être yo t'ai apprendre ou bien c'est comme ça yo t'ai traité yo là yo t'ai élève dans salle classe. Mais nous-mêmes, nous t'aimons partager avec nous matin que ce n'est pas en pratique haïtien. Si nous bien comprenons la racine historique pratique ça, nous avons remarqué que c'est en pratique qui sortit dans l'héritage colonial. Il sortit dans le système esclavagiste. Donc, il faut que nous posions tête nos questions. Comment nous défendons une pratique
kap détruit nous en tant que peuple, en tant que moun. Et en même temps, tout m'ta aimé partager avec nous yon point important, yon différence qui existait entre discipline et la paresse. Parce que deux fois utiliser châtiment corporel, ou ap remarqué que ti moun yo peur, yo rayi l'école. Nous même ou remarqué que gen pile ti moun ki tout abandonné l'école par rapport à expérience que yo vive dans salle classe. Donc discipline positive. On rentre dans sujet discipline positive. Nan se pou Haïti, pendant la travail pour éliminer toute forme châtiment, toute violence sous ti moun, faut nous pas ignorer importance respect et principe. Bien sûr, nous connaissons pour Haïti que li important pour nous gagner respect et principe dans toute salle classe, dans toute interaction interpersonnelle. Mais discipline positive, c'est une façon pour nous assurer principe sans nous pas détruire un petit monde, sans nous pas détruire l'esprit, sentir et comment le voir tête li, comment li voir li même en tant que être humain. Il y a plein monde qui étonné les nous mentionner dans ces pour Haïti que nous arrivé éliminer châtiment corporel dans toute salle classe ancien leader nou yo. Et puis ancien leader ça yo c'est eux même qui influencer tout l'autre collègue yo, qui influencer parents, qui influencer directeur l'école pour nous arrivé éliminer violence ça. Il y a monde qui a posé nous question, et là ou éliminer? Est-ce que ti moun yo pas vinn pi paresseux? Est-ce que yo manque respect? Non. Au contraire, les nous éliminer châtiment corporel, nous remarquer que résultat pa nou yo yo triplé. En moyenne, résultat élève qui dans salle classe ancien leader nou yo yo double pourcentage ti moun ka réussi dans niveau fondamental sur territoire national. En moyenne, nous remarquer que c'est environ 41% ti moun ka réussi dans niveau fondamental en Haïti, dans niveau fondamental. Et nous même dans salle classe ancien leader nous en moyenne c'est 85% qui a réussi. Donc nous même ça nous t'a aimé partager avec nous c'est quelques stratégies. C'est stratégie qui gagne rapport avec discipline positif. Dans enseigner pour Haïti, il y a quatre stratégies nous capable partager avec nous là matin. Premier, c'est comment pour nous encourager enseignants adultes, parents, pour yon réfléchir sur expérience personnelle pa nou. Gen pil moun ki pa jam bliye non professeur ki te kon batyo, ki te kon utilize fouet. Fòk nou pa bliye expérience sa yo, parce que sa pral yon étape nan apprentissage yo pou nou pi bien comprann ki impact négatif châtiment corporel genyen sou apprentissage yon ti moun, sou développement en tant que moun. Yon deuxième stratégie, c'est pour nous bien étudier histoire pays nous, histoire système éducatif pays a, parce que gen pile moun même si a travaille dans domaine éducation qui pas bien comprendre comment système ça a évolué depuis 1804 et même avant 1804. Bah c'est une erreur que nous fait les nous pas bien comprendre réalité pays nous avec histoire pays nous. Par exemple, gen pile moun qui pas même connaît que gen loi contre châtiment corporel dans l'école. Et gen pile moun tout qui pas comprendre que c'est une pratique qui sorti directement dans l'héritage colonial. Tout ça pour nous même dans enseigner pour Haïti, ça rentre dans une autre formation qui t'a dû faite pour tout le monde qui bien comprendre histoire pays nous avec système éducatif pays nous. Une troisième stratégie, c'est ça nous fait dans enseigner pour Haïti en pile, c'est développement professionnel ou bien formation continue. Nous même dans enseigner pour Haïti nous pas croire que formation suffit. Nous croyons à donner des formations et puis suivi. Ça nous même nous relève coaching. Donc tout ancien leader nous par exemple, yo suivent un programme de 2 ans côté yo joue une formation continue et puis yo gen un coach cap suivi yo cap accompagner yo cap aider yo. Coach non c'est pas un superviseur, c'est pas un inspecteur, c'est un monde qui là pour aider yo, pour encourager yo. Appliquer tout ça ou te joue comme méthode, comme technique, comme stratégie dans séance développement professionnel yo. Par exemple dans développement professionnel et coaching, nous t'a aimé aider tout ancien leader yo identifier règles jouettes yon salle classe avec apprenant yo. En plus, nous prioriser leadership apprenant yo
parce que gen pile enseignant jusqu'à présent qui croit que c'est eux même seulement qui t'a doué autorité qui t'a doué gen tout contrôle dans salle classe. Au contraire, les ou augmenter leadership apprenant yo, c'est ça qui aide dans comportement yo. Nous même tout dans pour Haïti nous connaît parfois gen enseignant leader parfois qui compte gen pile apprenant hyperactif dans salle classe yo. Yo même tout yo recevoir outils et techniques et support additionnel pour capable travailler avec apprenant sa yo sans ou pas besoin utiliser châtiment corporel. Yon quatrième stratégie, c'est créer un réseau de support. De pour entrer dans mouvement C pour Haïti ou faire partie d'une famille, ou gen frère, ou gen sœur, ou gen collègue qui travaille pour nous river transformer système dans ensemble. Et nous remarquer que ça aide enseignants yo en pile. Au lieu que yo seulement entendez que gen loi contre châtiment corporel, faut ou éliminer, faut ou gen yon encouragement, faut ou gen un réseau moun kap aide ou, kap encourager ou parce que ka gen des moments, ka gen des journées travail qui vraiment difficile. Mais là ou encourager et là ou remarquer que influence là, li commence à changer comment apprenant yo senti, comment yo comporté yo, comment yo réussi dans examen. C'est ça que nous remarquons qui vraiment ajouté à nous-mêmes tomnan à changement que nous toutes nous t'arrêmes en joindre dans le système éducatif nous. Donc c'est quatre stratégies ça yo que nous t'voulais partager avec nous, mais il y a plusieurs stratégies, mais ça qui est plus important c'est pour nous d'accord que tout petit monde mérite joindre une éducation de qualité sans violence. Moi t'arrêmes conclure avec yon remarque. On pas tant aimé que discussion que n'a gagné là matin que l'ichita surtout sur ça qui fait dans salle classe ou bien dans l'école. On travaille pour éliminer violence dans toute société a. On prioriser l'amour, collaboration, respect doit moun. Parce que c'est là nous changer ça qui fait dans salle classe dans l'école, c'est comme ça n'a privé transformer toute société a. Parce que si moun pas correct, si nous pas en santé société nous, pays nous pas correct. Donc encore une fois nous remercier équipe World Vision pour invitation ça et nous souhaiter que ensemble la privée réussit pour tout petit monde joine ça mérité. Merci en pile. Merci beaucoup Anne-Jean Paul Deroli pour cette présentation, pour cette intervention intéressante comment y mettre fin à la violence en milieu scolaire, c'est la thématique globale de ce webinaire de ce samedi 15 mai 2021. Nous apprécions votre participation jusqu'à présent. On a reçu pas mal de questions dans le Q&A et on va y répondre. Et comme promis au tout début, donc Fedora Pierre-Louis, je pense qu'elle se fera un grand plaisir d'adresser vos questions. Elle va répondre en fait. À la toute première question, Fedora, je ne sais pas si vous avez pu remarquer dans le Q&A, il y a une question qui concernait justement comment adresser cette question de discipline positive. Et il y avait une question qui vous concernait directement. Et vous pensez vraiment que la formation, est-ce que vous pensez pouvoir dupliquer la formation à travers les églises? Avant d'adresser les autres questions, je pense que ça vaut la peine de répondre à cette petite question. Oui, certainement. Merci, Jean-Wickens. Donc, dans le cadre du travail de la World Vision et le travail que nous faisons avec nos partenaires, on peut citer AEE, la FEF, on essaie aussi d'aborder la question avec les leaders religieux, avec les églises, parce que nous savons à quel point leur influence est importante. Donc, c'est important aussi de les inclure. Donc, certainement, cette formation aussi, elle est disponible et accessible et donnée aux leaders religieux et formatée spécifiquement pour le cadre religieux. Nous avons eu, en début du mois, je pense que c'était le mois passé, nous avons eu une session avec une église où les moniteurs d'école du dimanche ont eu l'opportunité de vraiment échanger et d'explorer la thématique de la discipline positive avec World Vision et AEE. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Fedora pour la réponse et pour faire suite à ça. Et je pense que Nedjin a un peu
répondu à cette question dans sa présentation, mais on va quand même la poser. Et en cas de possibilité de fournir de plus amples éclaircissements là-dessus, pensez-vous que cette pratique, en parlant du châtiment corporel, a un lien étroit avec notre passé colonial, donc culturel? Si oui, comment agir sur cet héritage culturel pour pouvoir l'éradiquer à la maison et surtout en milieu scolaire? C'est une question de Adrien Lirismont. Donc voilà. Oui, comme Nedjine l'a si bien dit, c'est un héritage de notre passé colonial. Donc, on pense souvent que, par exemple, la discipline positive, c'est une méthodologie importée, mais alors le bâton, c'est aussi une méthodologie importée. Ça a été un héritage. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'éradiquer de façon culturelle? Il faut un effort à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que nous essayons au plus que possible d'aller de la plus petite communauté à la plus grande scène et avoir cette discussion à tous les niveaux, à niveau communautaire, à la maison, avec les leaders religieux, avec les éducateurs, parce qu'il faut tout un monde. Il faut tout un monde et il faut tout un effort pour vraiment séparer cette pratique violente de notre méthodologie culturelle. Donc, c'est extrêmement important que tout le monde mette la main à la pâte. C'est extrêmement important d'impliquer tous les acteurs, tous les décideurs pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter au mieux la loi qui nous invite à gérer un petit peu mieux les enfants. Donc, la loi d'octobre 2001 qui est la loi contre le châtiment corporel. Je pense qu'il y a une autre question. Il y a au moins deux autres questions, Jean-Wilkins. Oui, il y a une question de Marvin Spier. Sachant que les parents arrivent facilement à perdre patience, surtout lorsque l'enfant a des problèmes d'apprentissage, quelles sont les méthodes alternatives les plus efficaces à utiliser pour encourager l'enfant dans son apprentissage et l'aider à s'épanouir sans le châtiment corporel ou des menaces de restriction de ses droits? Bien, et avec cette question, je vais aussi essayer d'adresser celle qui demande comment est-ce qu'on peut gérer un enfant qui est constamment en colère ou bien qui ne répond pas. Donc, une première pratique ou bien un premier outil, c'est ce qu'on appelle le tableau des mirages, des objectifs mirages. Donc, avec ce tableau, c'est un tableau qui rentre dans l'approche de discipline positive. Il nous aide à décoder le comportement ou bien l'attitude d'un enfant. Donc, si un enfant, il essaie d'accaparer l'attention, certainement, ça va provoquer chez l'adulte que l'adulte soit agacé ou bien qu'il se sente inquiet ou bien qu'il se sente coupable. Donc, ce que ça nous invite à faire en tant qu'adulte qui ne pratique pas la discipline positive, c'est d'essayer de persuader l'enfant ou bien d'essayer de lui donner ce qu'il cherche ou bien de répéter constamment les consignes qu'on donne. Mais la réponse en retour, en retour de l'enfant, tend à être par exemple, l'enfant soit arrête momentanément et puis il recommence plus tard, ou bien il ne s'arrête pas jusqu'à ce que l'attention qu'il réclame soit exclusive. Donc, comment est-ce qu'on peut décodifier ce comportement? Au fait, l'enfant pense que il compte seulement quand on lui prête attention. Donc, quand il obtient l'attention qu'il demande, c'est là qu'il sent qu'il a de la valeur. Donc, ce qu'il essaie de nous dire à travers ce comportement, c'est qu'il veut qu'il soit remarqué. Il dit « Papa, maman, remarque-moi » ou bien « Professeur, remarquez-moi, impliquez-moi, faites-moi participer ». Donc, c'est important en tant que personne qui va utiliser la discipline positive de pouvoir réorienter l'intérêt de l'enfant. Donc, pouvoir aussi le donner une responsabilité ou bien des tâches pour occuper son temps. C'est important aussi de verbaliser l'importance que l'enfant a pour vous. Je ne sais pas si les parents le font constamment. Est-ce que vous dites souvent à vos enfants, tu comptes pour moi? Ou bien, je ne peux pas passer de temps avec toi maintenant, mais je t'aime et tu comptes énormément pour moi et donc je vais passer un moment avec toi plus tard. Et on lui fait une promesse et on tient cette promesse. Donc, c'est vraiment important d'éviter une attention trop exclusive dans ces moments-là et de planifier des moments d'attention partagés avec l'enfant.
Vous voyez? Donc, ça, c'est un outil. Cet outil, il est disponible en ligne. Il sera aussi disponible dans notre petite brochure qu'on a préparée pour vous à la suite de ce webinaire. Mais c'est vraiment un outil qui va nous aider à aller un petit peu plus loin dans la compréhension et l'interprétation du comportement, de l'attitude de l'enfant. Et avec ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question en anglais. Oui, j'ai une question en anglais et ça concerne surtout quand la victime devient l'agresseur et comment changer sa perspective sans vraiment la mettre dans une situation embarrassante et qui le fait contribuer au système. En fait, c'est un peu ça. Je n'ai pas voulu reprendre la question en anglais. Très bien. Je vais essayer de répondre et je vais essayer de répondre en créole parce que peut-être que la personne a une limite en français. Okay. C'est pour ça qu'elle n'a pas mentionné la question en français. Donc, le ça fait que nous-mêmes, nous... Alors, discipline positive, là, son méthodologie qui m'a dit que au grand pile humilité la caille. Donc, il m'a dit qu'on pourrait le faire mais à coup pas pour reconnaître qui côté t'es qu'à font bagaille en l'autre gens. Qui côté ou t'es peut-être temporisé, qui côté ou t'es peut-être prend plus patience. Donc, c'est une méthodologie qui n'est pas tout le temps confortable pour parents. Parce que les parents des parents, tout réfléchis. Et c'est ça que nous-mêmes, nous pas gain tout le temps réflexe pour nous faire. Surtout que nous pas gain temps pour nous faire. Pas vrai? Donc, discipline positive, là, des parents, vraiment garder qui meilleure méthode. Sans que li pa agresse ti moun nan, sans que li pa porte atteinte à l'intégrité physique lan, li pral mande parent pou réfléchir. Et nan réfléchi, parent pral besoin réfléchir, ou bien éducateur la moun nan kap éduke a, pral besoin réfléchir sou tèt li, ki sa le fait de mal. Donc, naturellement, émotionnellement, le wap réfléchi et ou reconnaît on tok ou gagne, ou pral sent ou mal pou li. En pile fois, le parent ou bien professeur fin bat ti moun nan, c'est pas l'air comme s'il sentit le plus bien. Peut-être que il dégageait frustration, donc on charge qui sortit, mais moralement, émotionnellement, il y a une charge qui rentrait parce que le connaît que t'es qu'à faire ça. Il t'es qu'à faire ça en l'autre gens. Donc, il peut demander un pile humilité. Et son bagage qui est très inconfortable pour un pile monde pour admettre qu'il côté un bon tort. Mais il est important que nous reconnaissions le traumatisme. We cannot deny the trauma. L'important que nous reconnaissons le traumatisme, que nous causons, hein, pour que nous capables progresser, pour que nous capables avancer. Donc, c'est important dans le processus ça, que nous pas en oublier que, oh, nous t'es agresseurs, là, c'est nous-mêmes qui t'es agressés, puis n'a pas avancé, n'a pas allé plus loin. Mais pour nous reconnaître que, bon, moi, je fais un bagage, moi, t'es allé trop loin, moi, t'es manqué patience, moi, t'es manqué tolérance, moi, pas contre qui j'en pouvais gérer colère, moi. Et donc, c'est peut-être ça que moi, réagis comme ça. Donc, discipline positive, là, l'imander, bon, coopération dans l'apprentissage, là. Donc, comme vous, même en tant que parent, ou bien en tant qu'éducateur, en tant qu'adulte, ou déjà, il y a capacité pour utiliser tous les deux cerveaux, aux mêmes gens, en tant que éducateur, là où font et où faut qu'on ait une capacité ça pour retourner vers mon que ou agresser à pour vraiment demander pardon ou bien pour vraiment pratiquer humilité ça que discipline positive là lui-même lui demander. Donc des fois la demander que ou honte s'en faire ou pas tout le temps content s'en faire, mais l'important que vous passez par là pour que progression lui-même lui casse-saine. Merci Fedora. Je pense qu'on va s'arrêter à cette première série de questions. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et on comprend l'engouement des participants car il y a pas mal de questions dans le Q&A. Et on va y répondre au fur et à mesure. Mais vous comprenez aussi qu'on a besoin de continuer avec le programme et parce que l'heure commence à nous faire la guerre. Pour une éducation sans bâton, c'est le titre d'un ouvrage qui a été publié il y a juste quelques années. Les co-auteurs de cet ouvrage, le frère Nelson du Collège canado-haïtien et le docteur Maurice Jacques, on les connaît sans doute dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, on a le privilège de parler de l'implémentation du sans-bâton dans l'éducation des enfants. Et il y a beaucoup de friands, j'ai vu pas mal de questions autour de ce thème et certains qui commençaient déjà à se demander mais est-ce qu'on n'est pas passé à côté de la thématique
vu qu'on n'a pas suffisamment donné d'exemples, on n'a pas suffisamment donné de détails concernant les pratiques, les bonnes pratiques en ce qui concerne l'apprentissage, l'éducation des enfants et le traitement, ou du moins la discipline positive, justement, en milieu scolaire. Mais voilà, c'est le moment d'accueillir le docteur Maurice Jacques, qui va certainement nous entretenir de l'impact, justement, de la violence sur les enfants et comment implémenter le sans bâton en tant que tel dans l'éducation des enfants, le docteur Maurice Jacques. Je dis bonjour et je remercie Paul Vision de m'avoir invité à prendre part à ce panel. Il y a beaucoup de gens qui sont passés avant moi. Ça veut dire qu'il semble que tout a été déjà dit. Mais heureusement pour moi, toutes les façons de dire ne sont pas épuisées. Alors, éduquer sans bâton, c'est tout un processus d'apprentissage pour les parents. On a déjà dit à propos de ce livre que j'ai écrit avec mon ami, collègue, frère Augustin Nelson, que éduquer sans bâton est presque une utopie en Haïti, surtout en Haïti. Mais je dirais de préférence, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout un apprentissage à faire et c'est un combat comme la lutte des femmes, comme la lutte pour la liberté, comme la lutte pour... Donc, c'est la lutte pour protéger les enfants. Donc, le bâton dans l'éducation, je dis que c'est un sujet qui préoccupe toutes les sociétés. Un phénomène intersocial. Ça veut dire que, quel que soit le pays, eh bien, on constate qu'il y a toujours des mécanismes qui sont mis en place pour protéger les enfants, pour interdire la main levée, soit dans les écoles, soit dans les familles. Et je peux vous dire, quand j'arrivais à en 1969, la DGI, la Direction de protection des jeunes, n'existait pas encore. Donc, on battait les enfants. C'est pour cela les objections qui veulent me faire savoir que le fait qu'on a été dans l'esclavage, donc c'est un héritage que nous avons, le fait que nous continuons à frapper les enfants. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés où ça se pratique encore, comme les Québécois, par exemple, ou bien les Canadiens qui n'ont pas été dans l'esclavage. Il faut dire que l'éducation en soi, Freud considère l'éducation avec la politique et la psychanalyse comme trois impossibles. Pourquoi l'éducation est un impossible? C'est un impossible en ce sens que on ne peut pas prévoir. Moi, je n'aurais pas pu prévoir que ma petite fille, à l'âge de 8 ans, allait devenir maintenant docteur en psychologie et professeur à l'université. Nous ne pouvons rien prévoir. Nous investissons dans l'éducation et nous attendons. Donc, mais il reste que l'éducation est une chose difficile. Et je suis sur ce point un peu d'accord avec Freud. Impossible l'éducation parce que essentiellement constituée de contradictions et visant des buts inséparables et inconciliables. Rôle éducation, mission éducation, et bien c'est de faire développer toutes les potentialités de l'individu. Je ne crois pas que c'est si impossible que ça. Mais il faut dire pourquoi je fais ce genre de traduction. C'est pour parler des parents. Parce que les gens ont tendance à blâmer les parents quand les jeunes affrontent et se comportent mal dans la société. Et parfois même certains professionnels ou professionnelles concluent que c'est la faute des parents.
considérant le nombre effarant de jeunes qui développent des troubles émotionnels, qui deviennent toxicomanes ou qui dérangent dans leur milieu social. Pour être une mère ou un père compétent et efficace, la société exige des capacités polyvalentes. Qu'est-ce qu'un parent en 2021? Un parent, c'est une personne polyvalente. Il est obligé, à notre siècle de la communication, d'avoir des connaissances dans presque tout. Il est infirmier ou infirmière pour apporter des soins urgents à son petit, à sa petite fille ou son petit garçon qui vient de faire une blessure. Il est enseignant parce qu'il doit aider son fils à faire ses devoirs, etc., etc. Mais dans quelle université on apprend à être parent? Vous serez d'accord avec moi que ça prend quelques secondes pour être parent. Ça dépend de la performance mâle. Mais pour devenir ingénieur, avocat, médecin, eh bien, ça nous prend des années d'études. Donc, éduquer un enfant, c'est surtout vivre avec l'enfant. Cela nous conduit à poser la question, qu'est-ce que l'enfant? Mais si je pose la question à des parents, ils répondent de façon humaine et affectueuse. Parce que tous les parents désirent aimer leurs enfants. Mais nous sommes là surtout pour parler des effets des châtiments corporels, les impacts sur le développement physique du jeune, les conséquences sur les comportements de l'enfant à l'école, les empreintes sociales et de sa continuité dans le temps et dans l'espace. Nous n'avons pas besoin de démontrer la toxicité des châtiments corporels. D'ailleurs, l'imagerie médicale montre comment s'imprime dans le cerveau dès la première année les mauvais traitements reçus par les individus. L'enfant se souvient. Il a dû grâce à la mémoire du corps. Notre corps a une mémoire intégrée. Aucun individu ne peut oublier s'il a été maltraité, s'il a été violenté, s'il a été battu régulièrement par ses parents. Je dirais qu'un enfant est heureux quand il se sent apprécié, compris, semblable aux autres et surtout désiré de ses parents. Le parent a pour rôle de démontrer, de prouver à l'enfant qu'il est aimé par des gestes, par des actions que l'enfant peut comprendre. Nous devons montrer à l'enfant que nous l'aimons. D'ailleurs, cette manifestation facilite ce que j'appelle le triangle de fonctionnement familial, où se situent les enfants ou bien l'enfant, la mère et le père, et où les rôles sont bien déterminés. Comme intervenant, et comme conférencier, j'ai fait des observations pertinentes à travers les questions et les commentaires des parents. La relation triangulaire père-mère-enfant est parfois complexe dans la réalité familiale. Je vais vous présenter les résultats de quelques résultats d'enquête que j'ai entreprises à Port-au-Prince dans quelques écoles et qui montre comment fonctionne ce triangle père-mère-enfant. Et les résultats d'enquête réalisés auprès d'une école à Port-au-Prince, les thèmes sont relations parent-enfant, les bastonnades, la monoparentalité. D'ailleurs, j'ai écrit un roman sur la monoparentalité, devoir à la maison. Le devoir à la maison qui est un élément de conflit majeur entre les parents et les enfants et la responsabilité parentale. Voici le premier tableau. Le premier tableau nous présente ce que disent les mères et les pères dans leur relation avec leurs enfants.
cette enquête a été réalisée sur avec une clientèle de 188 personnes et je vous présente les différents pourcentages et il y a 12 questions dans cette enquête. À la première question, j'ai une bonne relation avec mon enfant. C'était clair, les parents, les deux parents ont répondu à 97%. J'ai une famille monoparentale, 25,75% des parents ont répondu qu'ils constituent une famille monoparentale. Le plus souvent, c'est la mère qui en est la responsabilité. Ce pourcentage rencontre à peu près ce qui se passe ailleurs, parce que j'ai regardé avec un auteur, Corneau. Cet auteur-là nous montre qu'au Canada, c'est à peu près 20%. En Suisse, c'est à peu près en 18-20%. En Allemagne, c'est à peu près la même chose en ce qui concerne les familles monoparentales. La troisième question, j'ai de la difficulté à aider mon enfant dans ses travaux scolaires. 17% des pères et mères ont répondu oui à cette question. Et à la quatrième question, je suis souvent en colère contre mon enfant. 11,93% des parents ont dit oui. Et en parenthèse, je vous souligne que la colère en approche psychocorporelle est l'opposé de l'amour. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous êtes en colère contre la personne. Et si vous voulez avoir une relation adéquate, quelle que soit la relation avec votre épouse ou votre mari, eh bien, il faut essayer de faire baisser la colère. Donc, c'est une enquête pour comprendre. Trois éléments importants de ce travail, c'est le milieu de l'enquête d'abord, la monoparentalité, la bastonnade dans la famille et la compétence des parents. Dans le deuxième tableau, si j'arrive à le trouver, où je présente des mères et des pères. Dans le deuxième tableau, ce qui est, que je n'ai pas ici, mais ce qui est intéressant, le deuxième, ce sont les mères qui répondent maintenant. Et ce qu'il faut retenir pour ne pas perdre du temps à lire tous les résultats, nous constatons que j'ai des difficultés à aider mon enfant dans ses travaux scolaires. Les mères ont répondu oui. Les mères ont répondu oui à 5,51%. Je suis souvent en colère contre mon enfant. Les mères ont répondu à 11%. À la maison, c'est la mère qui applique les bastonnades. Les mères ont répondu à 58,23%. Dans la comparaison, nous avons constaté que les mères aiment beaucoup plus les enfants que les pères. L'interprétation est simple, parce que le père, dans le cas de famille monoparentale, le père, il est absent, ou bien il n'est pas là du tout. Donc, c'est la mère qui prend en charge l'enfant. Et dans le cas où le père est présent, c'est-à-dire dans la maison, eh bien, le plus souvent, il est au travail, il est ailleurs. Donc, c'est la mère qui passe la journée avec l'enfant. Donc, on a un pourcentage plus élevé chez les mères que chez les pères. Une chose que je dois dire, c'est que l'éducation fait appel à l'imagination des parents. L'intervention parentale exige une créativité de la part des pères et des mères. Sans bâton fait appel surtout au sens critique des parents et non à la colère, la vengeance qui conduisent à la maltraitance. Donc les auteurs Jacques M. et Nelson A. dans le livre pour une éducation sans bâton nous font les suggestions suivantes. Nous allons les regarder ensemble. Ce qui est important, c'est de développer chez l'enfant un concept de soi fort. Et c'est ce concept de soi qui va permettre à l'enfant de s'autodiscipliner.
les préopinants, c'est-à-dire les personnes qui ont parlé avec moi, il y a une intervenante qui a parlé de discipline positive, si je me rappelle bien. Or, moi, j'ajoute ce qu'on appelle l'autodiscipline. L'enfant peut apprendre à s'autodiscipliner. Alors, quelles sont les actions que les parents doivent poser? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'ailleurs, c'est la question qu'on me pose souvent. Si je n'utilise pas le bâton, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Comme si le bâton est l'unique moyen pour éduquer un enfant. Alors, je pense qu'on a 6 ou 7 suggestions qui ont été faites par Dodson et que mon collègue Nelson et moi, nous avons récupéré dans notre livre pour une éducation sans bâton. Première suggestion, on peut priver l'enfant d'une chose importante pour lui dans son environnement de jeu. Alors, vous voyez, ce qui est important dans cette suggestion, c'est l'environnement de jeu de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut créer cet environnement. J'étais dans une école une fois, une toute petite école en province. Le professeur avait un panier et dans le panier, il y avait des oranges, des mangues, mais il n'y avait pas de fouet dans sa classe. Un professeur. Et j'ai appris après que cet homme-là avait seulement fait son certificat d'études. Alors, quand j'ai demandé qu'est-ce que vous faites avec ces fruits, il dit, bon, les élèves qui connaissent les leçons, eh bien, ils vont recevoir une récompense. Les élèves qui ont passé toute une journée sans être en contravention avec les disciplines ont droit aussi à un fruit. Il y avait des paquets de sucres. Alors, voici ce monsieur Pavlov que j'ai rencontré. Il ne connaît même pas Pavlov, qui applique ce qu'on appelle la récompense. Donc, pour être capable d'intervenir auprès de l'enfant, il faut organiser son environnement. J'ai des objections par rapport à ça. On va me dire, écoute, si on n'a pas d'argent pour acheter des jouets, l'enfant doit posséder des choses. Parce que moi, je me souviens, j'avais dégoncé ce qu'on appelle cerceau que je roulais tout le temps. Eh bien, mon père, pour me punir, me dit, bon, Maurice, tu ne touches pas à ton cerceau, à ton cercle pendant 2 jours. Donc, j'avais quelque chose. L'enfant peut avoir une boule de caoutchouc. On peut lui priver de ça. Donc, il ne faut pas venir me dire que moi, je n'ai pas les moyens, c'est le bâton. Le bâton, c'est le plus facile. Ça, je vous le conseille. Deuxièmement, on peut isoler l'enfant en l'envoyant dans sa chambre ou le placer dans un coin en lui demandant de réfléchir sur ce qu'il vient de faire. Il y a une intervenante qui a parlé de cette réflexion que l'enfant doit faire, que l'enfant doit revenir. Parce que moi, quand je dis que, quand nous disons que nous sommes absolument contre le bâton, d'après moi, personne n'a rien droit à battre personne. Personne n'a rien droit à battre personne. Mais l'autorité parentale doit exister. Les parents doivent imposer leur autorité. L'enfant doit savoir ipso facto que son autorité, les gens qui représentent l'autorité, qui doivent les guider, qui doivent intervenir auprès d'eux, ce sont les parents. Donc, comme je disais tout à l'heure, il s'agit dans ce cas de retirer l'enfant de son groupe social. Le but de ce type de punition n'est pas d'emprisonner l'enfant, c'est d'amener l'enfant à réfléchir. Et il faut donner les informations à l'enfant de cette façon-là. Et en troisième lieu, on peut donner une fessée à l'enfant. Godson, Godefroy, et je peux vous en citer plusieurs auteurs qui sont d'accord pour donner une fessée. Godefroy, lui, il dit qu'il ne faut jamais frapper un enfant avec un objet. Il parle d'une tape. Alors, comprenez très bien, c'est des enfants en bas âge. Un gars de 14 ans, une tape, ça ne représente pas grand-chose. Donc, moi, je suis contre complètement. On peut parler de bonnes et de mauvaises fessées aussi. Nous appelons mauvaise fessée, dans mon cas, le fait d'appliquer une punition corporelle avec cruauté et sadisme, de sorte à susciter la haine et le désir de se venger de l'enfant. Je me souviens quand j'étais jeune, quand on me battait, eh bien, il n'y a pas une fois que je ne brise pas quelque chose. Une assiette, jeter un drap dans la latrine, quelque chose comme ça pour me venger. Je me vengeais presque tout le temps quand on me battait. Il faut aussi observer la règle de proportionnalité. 50 coups de fouet pour avoir donné une tape
à mon petit frère. Ça, c'est exagéré. Donc, ça veut dire que même les auteurs qui sont d'accord pour donner les fessées apportent une certaine mesure, une certaine sourdine à cette permission. Alors, nous allons regarder maintenant les principes de base à respecter dans les interventions parentales. Les principes de base. Le premier principe, les conséquences doivent être suffisamment logiques. Le même comportement entraîne les mêmes conséquences. Par exemple, un enfant qui vole, par exemple, eh bien, il mérite une punition. Mais il faut que, à chaque fois que ça se produit, eh bien, on donne la même punition. Et à la maison, il doit avoir des règlements, des principes que l'enfant doit respecter. C'est comme la loi, les lois nationales, par exemple. On les connaît, mais l'enfant va être prévu parce qu'on ne peut pas appliquer des punitions sans prévoir à l'enfant que si tu fais telle chose, eh bien, voilà les conséquences. Le deuxième principe, les conséquences doivent être immédiates. Il n'y a pas de punition en différé. C'est-à-dire, l'enfant fait quelque chose maintenant, il doit être puni tout de suite, immédiatement. Alors, ça me rappelle les parents, les pères qui ne sont pas là, qui sont en province. Alors, la mère a un cahier de doléances qu'il présente au père. Et puis, c'est lui qui applique les bastonnades à son retour. Et troisième principe, utiliser un temps raisonnable pour priver l'enfant d'un objet précieux pour lui. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir le téléphone, confisquer le téléphone d'un enfant, je ne sais pas, pour 8 mois, pour 9 mois. Il faut jauger les punitions. Comme on vient de me faire signe, je vais essayer d'aller rapidement. Et quatrièmement, on ne peut pas punir un enfant en le privant de quelque chose d'essentiel. Par exemple, empêcher à l'enfant de manger. Ce matin, tu ne vas pas manger parce que tu as fait telle chose. Et cinquièmement, les conséquences désagréables doivent être en rapport avec le comportement jugé inadéquat. Il faut qu'il y ait un rapport avec le comportement que l'enfant a. Donc, dans tous les cas, il serait mieux d'utiliser des renforcements positifs. C'est-à-dire que placer l'enfant en situation pour recevoir une récompense au lieu d'avoir une punition. Et sixièmement, donner à l'enfant un modèle positif de ce qu'il doit être. Selon plusieurs chercheurs, il s'agit de dire à l'enfant ce qu'il faut faire et non ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez que l'enfant, quand il grandit, le mot, à part maman, papa, peut-être même avant qu'il apprend à dire, selon plusieurs recherches, c'est le mot non. Parce que l'enfant, il entend souvent ce mot-là. Non, touche pas ça. Non, ne fais pas ça. Donc, il faut essayer d'être positif. Comme tout à l'heure, il y a un intervenant qui en a parlé un peu. Et septièmement, il faut faire preuve de bon sens dans les situations dangereuses. L'enfant doit manifester une certaine une crainte raisonnable du danger. Par exemple, l'enfant qui commence à marcher de 0 à 2 ans, selon Piaget, vous savez que l'enfant a une intelligence sensorimotrice, donc a besoin d'une surveillance. Mais il ne faut pas non plus emprisonner l'enfant. Par exemple, vous ne voulez pas que l'enfant met le feu avec des allumettes. Eh bien, apprendre. Vous pouvez apprendre à cet enfant à utiliser l'allumette en allumant une bougie, en allumant une lampe. Donc, l'enfant va savoir la vraie utilité de l'objet. Donc, beaucoup de parents ont besoin d'aide. Et dans la recherche, l'enquête que j'ai faite, il y a à peu près 15 à 18% de parents qui expriment la volonté d'avoir quelqu'un pour les aider. Naturellement, le nombre de psychologues qu'on a ici, on n'a pas énormément de psychologues, il n'y a pas de travailleurs sociaux dans les écoles, il n'y a pas de conseillers en orientation. Donc, ce qui signifie, ça va être nécessaire de créer un partenariat école-parent. C'est l'expérience que je suis en train de faire dans une école spéciale que j'ai actuellement, et qui est d'ailleurs que j'ai pratiqué au Canada, ce qu'on appelle le PEP. Donc, c'est programme enfant-parent. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre les parents en charge. Par exemple, dans mon école, tous les parents sont suivis par un psychologue ou bien un psychothérapeute.
Si le parent a des problèmes personnels, des problèmes émotionnels, a un traumatisme, par exemple, eh bien, il y a un psychologue qui intervient pour aider le parent parce qu'on a, on est en face d'une personne qui doit éduquer un enfant. Donc, si lui, il a besoin de support, je pense que l'école doit lui donner ce support-là. Et c'est... On est vraiment obligé, docteur Maurice. Non, je vais être obligé. Votre abondance. OK, je vais... l'heure joue contre nous. Il faut continuer. Je vais être obligé d'arrêter. Non seulement on me fait signe, mais on est venu me chercher. Je vous remercie tout de suite. Et puis, je reste à la disposition des personnes qui m'ont, des auditoires qui m'ont écouté, de poser des questions. Je serai prêt à répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Maurice Jacques, de nous avoir entretenu de cette question assez importante pour, autour de la discipline positive, mais plutôt comment implémenter le sans-bâton dans les écoles, dans l'éducation des enfants. Et dans la même veine, on va tout de suite passer à Clerna Jean-Louis, à Clerna Louis-Jeune, disons, qui va nous parler des pratiques, en fait, des techniques de discipline positive à l'école. Tout de suite, Clerna Louis-Jeune. Bonjour. Bonjour, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Donc, moi, remercier Panelicio pour l'intervention qui était très enrichissante. Moi, content que nous avons besoin des éléments pour nous capables d'appliquer dans la classe nous pour discipline positive. Là, moi, content que dans pile question qui allait vers ça. Donc, m'a dit nous que 15 ans. Oui, allô? On va vidéo. Ah! Ah là. Et... Nous parlons vidéo maintenant du tout là. Il semble que l'IPA est ouvert, donc peut-être juste glisser l'IPA pour que l'IPA est ouvert. Sinon, nous allons continuer. Parce que nous attendons, mais nous ne parlons pas. Parce que nous avons PowerPoint qui a passé tout. Allô? Nous, ouais, PowerPoint là, mais c'est où même que nous parlons. Ah, d'accord, par contre, ça qui fait ça, non? Pendant que ta caméra ouvre. Hein? Est-ce que tu fais notre caméra ouvre? Parce que c'est tout noir. Il paraît tout noir. Depuis tout à l'heure, il paraît tout noir. Ok, ça veut dire non pas capable. Mais sinon, nous sommes capables de continuer. Ok, bon. M'a continué pour le temps pas passer. Donc, alors bon, déjà, nous, PowerPoint, là, c'est déjà bien. Donc, du coup, record comme débat, c'était 3 heures de temps que j'étais arrivé le plus que possible à des enseignants. Ou bien, voilà, c'est si on avait rentré dans les détails pour outils, c'est à plusieurs choses. Mais quand même, moi, Bral, essayer nous le plus que possible. Alors, pour nous commencer, comme moi connais et une histoire capable vraiment bien aider nous résumer un contexte dans une classe, c'est peut-être ça. Je vais commencer par raconter nous une petite histoire. Ok. Alors, je vais raconter nous histoire Delphine. Delphine qui retrouve un jeune enseignant qui fait rentrer dans l'éducation nationale en France nos zones d'éducation prioritaire. Une zone d'éducation prioritaire, ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans une zone populaire, dans le 93, côté qui gagne en pile violence dans la société, côté que, voilà, il y a des témoignages depuis très jeune qui sont lagués dans la drogue, qui ont accès avec ZAM, par exemple. Et puis,
c'est que li entre dans l'école qui n'ont quartier comme ça. Et là, li rive dans l'école, ça, collègue yo a expliqué qui ça qu'on passé dans l'école là, li saisi et puis encore plus, li sont filles et puis yo dit pi fort ti moun sa yo monoparental et pas développé de bonnes relations avec maman. Pas besoin dit nous que Delphine en pape la pile. Kounya Delphine, c'est que l'école ça qui s'est passé, décrochage scolaire, taux de réussite au plus bas, policier pas jamais pas son année pour pas passer la donne, toujours des batailles entre les vieux. Eh bien, Delphine dit qui ça m'bra le faire? Ah ben Delphine commençait en septembre. Faut que nous connaissons que en France et c'est 5 périodes qui gagnent. Après six semaines à bon vacances. Pendant la première période là, alors que collègue Lio qui a des années d'expérience te dit Delphine, faut pas jouer avec Timounio. C'est bayo punition. Ça qui bien comporté yo, bayo récompense. C'est voyé yo dans direction. Fait yo fait ligne. Voyé yo dans direction, etc. C'est tout ça yo que te bayo Delphine comme outil. Hein, pour les capables contrecarrer élèves ça. Mais ça Delphine remarqué dans une journée de classe, li passer plus temps à faire discipline que pour li passer temps à faire coup. Pendant toute journée, hein, la li obligé à dit élèves yo à chaque fois, et tel pas embêter un tel etc. Il passe en pile temps pour faire moral yo, il passe en pile temps pour voyer en direction. Donc il dit comme ça, mais système ça que m'a utilisé a pas marché, pas capable marcher parce que moi passé plus temps à faire discipline que me faire coup. Alors que me vinn là, moi gon message pour me transmettre élèves yo, moi gon apprentissage pour me faire pour yo. Eh bien, pendant premier vacances là, Delphine l'a cherché toujours. Malgré il sentit vraiment découragé, même crier là, il crier qui ça doit faire, est-ce qu'elle doit démissionner, est-ce qu'elle doit quitter élève ça. Et bien nous chercher Delphine vient tomber sur un forum parent sur internet. Il tombe sur un forum parent sur internet côté que il a fait éloge de une discipline que relait discipline positive dans l'école. Tout enseignant yo, il a dit oui, garde une discipline, le m'appliquer dans classe moins, ti moun yo si, ti moun yo ça, ti moun yo tande, ti moun yo travail, taux de réussite là vinn augmenter, etc., etc. Delphine dit pour qui pas moi-même, pour qui moi-même tout, moi pas ka appliquer une discipline comme ça dans classe moins. C'est comme ça Delphine prend une semaine que le en vacances pour lui à former tête lui à la discipline positive. Connait Delphine former tête lui à la discipline positive. Eh bien chers collègues, c'est vrai que Eh bien chers collègues, c'est vrai que Eh bien chers collègues, c'est vrai que Kounia Delphine vient découvrir la discipline positive. Eh bien, chers collègues, c'est comme ça, Delphine vient apprendre les outils qui gagnent dans la discipline positive. Et puis, Delphine vient commencer à appliquer les outils dans la classe. Kounia Delphine commence à appliquer les outils. Voilà, que l'a appliqué. Et puis, dans quelques mois, Delphine vient commencer à joindre résultat. Simonio vient suspendre. Simonio vient pas prendre punition encore. Simonio a remarqué, par exemple, dans la direction 1, il n'a pas recevoir Simon Delphine encore. Il a remarqué sous la croix, Simon Delphine, c'est lui-même plutôt qui a calmé le jeu sous la croix. C'est lui-même plutôt qui a calmé le jeu sous la croix. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que yo commencé changer de comportement. Même parents ti moun sa yo commencé à parler à Delphine, à dit directeur l'école là que li pas comprendre, li yo remarqué yo changement de comportement nan ti moun yo
et puis les regarder yo wè se ti moun ki nan klas Delphine. Alors, donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que enseignant vin mande Delphine qui ça qui passé. Donc c'est bien beau tout ça me sont raconté nous là, mais qui ça Delphine t'es fait? Sans doute tout enseignant qui là besoin qu'on ait qui ça Delphine t'es fait. Eh bien, chers collègues, Delphine pas fait l'autre bagaille que appliquer la discipline positive. Alors, pour commencer, li appliquer ça que li commencer par parler, li commencer par comprendre timoun sa yo. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout comportement que yon timoun genye, c'est une bagaille que yon apprend li dans cadre formation, que yon fait dans discipline positive là, c'est que tout comportement que yon timoun genye, li nous même adultes, nous ouais comportement, mais derrière tout comportement ça, gagne yon partie cachée qui c'est ça qui pousser petit moun nan fait comportement ça pour me rejoindre sa madame Fedora Pierre lui t'a parlé nous tout à l'heure. C'est que un comportement c'est un coup yon iceberg. C'est que gon partie visible dans comportement et puis gon partie cachée dans comportement. Gon partie visible dans comportement et puis gon partie caché dans comportement. C'est que partie cachée a souvent nous négliger et puis n'a chercher pour nous joindre résultat hein pour nous joindre résultat à comportement. D'accord? N'a chercher pour nous joindre résultat à comportement. Mais nous pas capable changer comportement, éradiquer comportement ça si nous pas chercher qui problème caché qui derrière comportement ça. Et bien c'est ça qui était action que Delphine t'a fait. C'est que première action que t'a fait, comme il était passé en première période avec élève ça yo, l'élevin connaît ça, l'alchita pour lui analyser comportement chaque grain élève yo pour lui ouais qui ça qui caché. Ça que madame Fedora Pierre lui saute bien dit tout à l'heure, vous allez chercher comprendre objectif mirage qui derrière comportement ça, ça veut dire les quatre buts qui sous-tend derrière comportement ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout comportement que yon timoun gagne, derrière lui capable gagner quatre buts, c'est-à-dire accaparer l'attention ou bien prendre le pouvoir ou bien prendre une revanche ou bien confirmer sa croyance d'incapacité. Alors, Delphine, le Livin connaît ça, l'aller analyser chaque tigre petit monde que l'a rencontré problème avec eux pour voir qui but qui gagnait derrière mauvais comportement ça que Timon a fait. C'est que selon Adler et Dreyfus, Rudolf Dreyfus, c'est que yon timoun, le li gon mauvais comportement, li alimenté par yon série de croyances que timoun nan bay tête li. C'est que li bay inconsciemment, hein, c'est pas voulu. C'est que yon série de croyances qui cachaient derrière comportement. Est-ce que m'son bon moun? Est-ce que m'son mauvais moun? Oh là là! Par rapport à entourage, il dit oh, est-ce que les maîtresses là j'y consacrerai même, les gars les parents même, les gars les veulent blesser, etc. Le timon nan par exemple, il était un timon nan classique qui a agité mel tout le temps, qui toujours a fait mouvement, etc. Il vient comprendre que c'est accaparé timon nan chercher accaparé attention. Les gars timon qui toujours vu l'école la négliger. Et puis en dehors de ça, li toujours bataille avec timon yo, li toujours voler bagay timon yo, li vin comprendre que timon ça au fond de lui-même, li blessé et personne timon pas de jambe vle jouer avec elle. Donc ça te fait que timon ça blessé et li gen impression que pour le capable gen importance, faut li tirer revanche. Eh bien, oui? Vous pouvez conclure rapidement parce que on a vraiment pas beaucoup de temps. OK. Donc Dreyfus et Adler qui ça yo fait c'est que yo di nous que Dreyfus et Adler qui ça yo fait yo ba nous vraiment des outils pour nous capable arriver yo ba nous vraiment des outils pour nous capable arriver comprendre comportement ça yo mais tout
proposer ti moun nan autre chose par rapport avec comportement ça. Et pour le capable arriver parler de ça, donc li organiser des temps d'échange en classe. Et c'est dans temps d'échange en classe yo que li profiter pour li capable transmettre des compétences, hein, pour li capable transmettre des compétences avec élèves sa yo, des compétences sociaux, des compétences sociales. C'est vrai que nous brel dit que en tant que enseignant, nous pas là pour ça, mais nous là non seulement pour nous apprendre ti moun yo li, écrit et autres, mais nous là tout pour nous transmettre des compétences sociales. C'est-à-dire dans une heure de cours, bien dans journée, faut qu'on partie qui réservée pour capable bay ti moun nan des compétences sociales et pas n'importe qui genre, mais c'est là que ou fait ti moun nan chercher solution par lui-même pour problème qui gagnait dans classe. Et qui solution ça comment le brèche chercher, il va chercher par des questionnements, OK? Par des questions de curiosité. D'accord? Que des questions que Delphine souvent posait dans cadre temps d'échange en classe par rapport à tel problème, qui solution nous va proposer. Et de là, tout si moun yo te senti que yo gen valeur dans l'école ça, yo gen appartenance en dans l'école ça et ti moun sa yo te vini changer de comportement. Et puis merci à la place la dernière chose à la place de voyer en direction, Delphine préparer yon coin de confort pour yo ensemble avec yo pour yo capable contrôler émotion yo. Et dans coin de confort ça, ba yo outils yo capable contrôler émotion. Donc c'est ensemble de outils ça yo que Delphine t'a utilisé en deux classes ça qui fait que classe l'IA t'est venu changer et puis il t'est venu former l'autre enseignant yo qui fait toute l'école ça t'est venu yo modèle dans zone ça parce que ti moun sa yo t'est changé de comportement non seulement dans l'école là mais tout la caillo et pendant plusieurs années. Donc moi dis nous merci en pile parce que nous t'écoutons et si nous des questions m'a répondre avec question. Merci, ce sera avec plaisir, je pense avant la fin de du webinaire et on va prendre une ou deux questions parce qu'on n'a vraiment pas de temps pour terminer et on sait que le plaidoyer est une chose, c'est très important, faire la sensibilisation, mais les mécanismes mis en place pour s'assurer que les enfants soient protégés en milieu scolaire, c'est très, très important aussi, c'est capital. Et pour nous parler de ce qui est mis en place, de ce qui est adopté pour faire en sorte que les responsables d'école puissent bien traiter les enfants, on va accueillir M. Jacques-Yvon Pierre, qui est membre du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jacques-Yvon Pierre, qui est coordonnateur technique au cabinet du ministre Pierre-Josué Agénor Cadet. Merci en pile et merci de l'occasion pour moi intervenir dans le webinaire là et l'occasion pour que moi fait contact avec un pile monde qui travaille sur problématique ça, une problématique qui intéresse nous en pile et c'est l'occasion pour nous demander et ensemble de participants yo pour faire combiter ensemble avec nous et moi dit madame Fedora et Pierre lui merci en pile. Et moi espérer que World Vision qui déjà travaille avec nous en perspective pour nous et construire un partenariat ensemble et dans l'intérêt ça pour me battre avec et enseigner pour Haïti, Jacques, pour me battre avec les clés que question ça, son question pour nous, nous dit déjà, nous dit très clairement que et son combi parce que bah, là, les toutes les chez nous. Donc, et faut-il bien que c'est ensemble nous essayer, nous protocoler pour nous résoudre les problèmes. Alors, notre question et lutte contre la violence là, et pas besoin de rappeler. Et différentes formes de violence qui traversent le système éducatif. Bon, allez droit au but. Dans l'année 2015,
et ministère ensemble avec UNICEF a lancé un projet qui était l'AGVE, Action contre la violence à l'école haïtienne, que moi-même j'ai gagné une chance pour moi de coordonner. Et dans le cadre de l'AGVE, nous avons commencé à faire travail de sensibilisation et travail de formation pour l'ancien. Mais plus gros travail nous réaliser, et ça est fondamental pour le système, nous arrivons à doter le système de un code et de conduite et contre question violence en milieu scolaire. Et le code de conduite, ça, il est validé le 21 juin 2017 dans l'hôtel Kinam et dans le cadre d'un atelier et gagné un pile secteur, un pile acteur qui adhérait déjà à code de conduite là. Et nous avons une dynamique justement avec Olbe Jaune pour nous regarder comment nous sommes capables de vulgariser le plus possible code de conduite là. Bon, il était question que moi présenté code de conduite là, même pas quoi c'est ça qui est fondamental. Bon, code de conduite là, c'est évidemment on glosse la donnée, on préambule, il y a 9 chapitres la donnée. Et moi, je crois que c'est important pour moi voyez tout élément de présentation code de conduite là. Bon, nous, et je vais le capable et nous en perspective ou non actualiser. La connexion de Jacques n'est pas terrible. Moi, bien sûr, moi, autour de... On a quelques soucis avec son internet. S'il ne peut pas continuer à nous parler, mais en tout cas, on a au moins la garantie, comme il vient de le dire, de recevoir sa présentation, le code de conduite du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, ce document pourra être partagé avec vous. Comme tous les autres documents et supports utilisés dans le cadre de ce webinaire, on avait envisagé que ça s'étende sur une durée de 2 heures d'horloge. Et là, on arrive presque à la fin, en fait. On est déjà à la fin parce que l'heure, il est déjà midi, ce que je peux voir. Si Jacques-Yvon Pierre a la possibilité de dire un mot avant de conclure, ce serait bien, mais sinon, on a compris les soucis qu'il a avec son internet qui marche mal. Ça dépend de la compagnie. On sait que la qualité du service n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, Jacques-Yvon Pierre, est-ce que vous continuez ou sinon... Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas. Vous recevez, non? On vous entend, on vous entend presque pas. On vous entend pas. Je pense que c'est pareil pour les autres participants qui n'arrivent pas à vous entendre. Malheureusement, et Jacques-Yvon Pierre du ministère de l'Éducation nationale qui ne peut pas continuer avec sa présentation. Et comme je viens de le dire, on va juste prendre, Fedora, on va juste prendre
une ou deux questions avant de conclure, et parce que là, les participants sont avec nous depuis pratiquement 2 heures, et on ne peut pas abuser de leur patience. Donc, rapidement, on prend deux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions en tête, mais en tout cas, moi, je peux vous en donner lecture de nos deux. Oui. Il y a une question qui a attiré mon attention. Aller au petit coin, est-ce une forme de question, est-ce une forme de punition ou un moyen de discipliner positivement? Quand on met un enfant, par exemple, au petit coin, on demande à son enfant d'aller au petit coin. Et comment vous voyez ça? C'est une question qui a été posée par à Adrien Lérissement à Fedora. Très bien. Merci Adrien pour la question tellement valide. Alors, envoyer un enfant au petit coin doit le permettre d'utiliser ses outils pour réfléchir et utiliser le cerveau d'en haut. Donc, si on envoie au petit coin pour arrêter le comportement, ça ne va pas être efficace. On doit l'envoyer au petit coin pour lui permettre de faire cette connexion entre le comportement qu'il a et les répercussions, bien même la maîtrise de son attitude. D'accord? Donc, il faut que le petit coin soit positif. Donc, qu'il sache que ce petit coin-là, c'est pour réfléchir à comment mieux agir. Pas seulement l'envoyer au petit coin pour interrompre le comportement qu'il a. Ça, c'est essentiel. Donc, on parle en anglais, on parle de positive time out. Donc, même dans le petit coin, il faut qu'il y ait une alternative positive, alors une issue positive. Donc, qu'est-ce que ça suppose aussi? Ça suppose aussi que l'enseignant ou bien le parent doit chercher à faire la connexion avant la correction. Je répète, dans la discipline positive, avant de corriger, il faut s'assurer que la connexion soit faite avec l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait ou bien qu'il développe le réflexe de réfléchir à la connexion entre son émotion et son attitude. Et s'il est en méthode de survie, s'il est en mode de survie ou bien d'immobilisation ou bien d'attaque, il ne sera pas capable de le faire. Donc, connexion avant correction. Donc, on l'envoie au petit coin pour se calmer, pour qu'il puisse revenir à cet état de logique. Ensuite, on fait la correction. Mais le petit coin ne doit pas être pour corriger. Et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à cette question? Certainement. Allez-y, quelques secondes. Donc, du coup, alors, par rapport au petit coin dans le cadre scolaire, donc, quand on doit envoyer un enfant au coin, comme je l'ai expliqué, c'est que ce coin-là doit être préparé par l'enseignant et l'enfant, d'accord? Et pas l'enfant, du coup, la classe. C'est-à-dire, point 1, c'est il n'y a pas pris les petits coins, il va le relayer, par exemple, point confort, et c'est élève eux-mêmes, il y a plus l'imagination pour ça, qui va choisir un nom pour les bailler. Pour nous, il va informer tout le monde, il va faire tout le monde comprendre que, vous connaissez, tout le monde traversé par des émotions, par exemple, moi-même qui suis traversé par des émotions, etc. Je voudrais faire connaître ça. Et puis, pour le cas comprendre que l'élan colère, ce n'est pas lui-même, c'est émotion. D'accord? Il a détaché Timona de émotions que l'a traversé. Et puis, je voudrais dire, pour être capable de gérer colère, ça, nous voudrions préparer un petit coin ensemble. C'est ça que je voudrais dans l'intervention, dans le coin confort. Là. C'est que le coin confort, là, tout le monde voudrait avoir une idée sur qui ça, je voudrais mettre la donne pour capable de sentir vraiment ou en confort. Et puis, coin ça qui va en de classe là, au lieu de voir une direction qui n'a pas aucun sens pour lui, hein, qui n'a pas permettre que l'arrivée contrôler l'émotion ça à l'avenir, qui n'a pas permettre que le comprendre ça qui se passe là, il y a voyé le coin confort ça qui était guettant une signification que vous transmettre lui dans tant d'échanges en classe qui était organisé pour lui et pour nous, si mon ça sont outils qu'on bali pour la vie et là il y a des problèmes, il va pas puni par exemple en l'autre ou bien il va pas craser en l'autre pour qu'il y ait une solution. Il faut toujours connaître que faut qu'il prenne un temps de pause, un temps de calme avant que il réagisse. Merci beaucoup Clairena Louis Jeune pour votre éclairage par rapport à cette question. On va prendre juste une question d'un artiste. Fedora, je sais que vous ne m'en voudrez pas,
de Bello, Jean Murabelloni, Bello, notre Bello national, qui a posé une question. Est-ce que le système de récompense dans le cadre de l'éducation d'un enfant ne peut pas tourner en chantage? Par exemple, dans le cas d'un professeur qui donne des récompenses systématiques à ses élèves, n'y a-t-il pas un risque de dépendance par rapport à cela? Je ne sais pas qui d'entre vous voudra répondre à cette question. Je veux bien répondre à cette question. Alors, comme je suis un peu, comme je n'ai pas eu le temps de terminer ce que je voulais dire, donc du coup, ça va me permettre de parler. Alors, donc, oui, effectivement, la récompense vient by yon dépendance. Timoun nan vient dépendre de récompense. Et même Timoun sa a tout, c'est un Timoun qui bral dépendre de ça dans l'école, par exemple. OK? Par exemple, c'est que Timoun sa, c'est que, le, par exemple, on Timoun à l'école, les récite bien, yon met un petit fleur pour lui. Pour n'y a la semaine à la bien récité, quoique, m'a pas question pas que, ah non, mais pour nous qu'à bien comprendre, moi, par exemple, ça, parce que le courant là, qu'à nous. Donc, du coup, après, dans la fin de semaine, il y a ballon étoile, exact, etc. Tout ça qui intéresse Timon, c'est étoile là, c'est tifleur. Alors que, y a un apprentissage pas fait pour un tifleur, y a un apprentissage pas fait pour un étoile. Le fait, c'est que Timon est capable d'utiliser les outils pour la vie. Alors, si m'a pas prendre. Pour que par exemple on dicte, si on va être mon dicté, c'est pour être capable de prendre orthographe moi pour demain de la écrire un mail pour le pas écrire avec 50 fautes. Donc du coup tout ça qui si mon a besoin c'est prendre tifleur. Alors que pour nous si mon ça vient sortir que le vient dépendant de tifleur là. Eh bien demain si Dieu veut le vient pas tifleur encore. Le vient non position qui bagarre pas gagne récompense. Donc si mon ça capable vient désintéressé à l'école parce que le vient gagne en dépendance par rapport avec avec récompense, punition. C'est peut-être si ça, vous permettez-moi ajouter, que... Madame Louis-Jeune, si vous permettez-moi ajouter, que en plus de récompense, là, nous avons une habitude que nous aimons faire éloge, nous aimons faire compliment. Mais sa discipline positive, là, mandé, c'est pour faire encouragement plus que compliment, plus que éloge. Qui ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, dans le cadre de l'école ou bien dans le cadre de la caille, si par exemple, si nous avons même fait un travail, on nous dit, oh, good job, bon bagaille, etc. C'est pour nous demander, si nous avons, par exemple, qui ça veut dire? Qui sont pensés de tel bagay? Si nous avons exprimé une appréciation, il est important que pour nous pas dire Timoun, oh, son bon Timoun, son élève qui très bon, etc. Il faut pour assurer que pour dire Timoun, on montre appréciation hein, pour que l'y détache de lui-même, mais pour que, ouais, que c'est par rapport avec ça l'y fait. Donc, remercier parce que l'y a aidé ou qu'il a demandé est-ce que l'y capable de montrer qui met un moyen pour le chita, par exemple, vraiment montrer encouragement par rapport avec éloge là. Éviter trop éloge, éviter trop compliment et surtout renforcer encouragement, renforcer par exemple moins apprécier appréciation qu'on gagne de comportement si on en fait au lieu que ou tout le temps à balayer éloge ou bien à balayer compliment. Donc ça tout bien important dans cadre discipline positive là. Merci beaucoup, merci Fedora, merci Clerna pour vos réponses. Et Jacques-Yvon Pierre qui insiste pour conclure, qui veut dire quelques mots avant de partir. Et on a compris qu'il avait des soucis avec son Internet. Jacques-Yvon Pierre, est-ce que vous êtes là? Jacques-Yvon Pierre qui insistait en tout cas pour conclure sa présentation qu'il n'a pas pu faire tout à l'heure. Et s'il est là, on va lui donner quelques secondes. Jacques-Yvon Pierre. Bon, apparemment, il a encore des soucis. Et donc, c'est le moment de remercier. Oui, Jacques-Yvon Pierre, allez-y rapidement. Je suis là, je vous entends, mais je n'arrive pas à démarrer la vidéo. Je sais pourquoi. Bon, en fait, je voulais tout simplement dire que nous faisons combien. Et moi, inviter vraiment Fedora pour que lui mobilise effectivement ensemble d'acteurs dans le système là, qui est présent dans le webinaire là, pour nous voir qui gens sont capables ensemble construire question ça. Parce que nous, nous ne sommes pas capables de construire pour compte nous. Le ministère n'a pas une capacité pour le construire pour compte lui. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire les sens nous, avec le ministère non plus tout. Là, il n'a pas une affaire de lutte d'influence, etc., hégémonie. Faut nous construire un bagage et moi-même, moi tout à fait quoi que il est possible
et moins ouais qualité intervention qui gagne matin, moins ouais volonté tout le monde gagne pour fond bagaille et en comment c'est construit dans le milieu scolaire là pour ouais de quelle mesure il est capable de répercuter sur l'ensemble de la société haïtienne. Merci en pile, bien content de nous et nous vous bonne confiance. Merci beaucoup pour ces propos, Jacques Yvon Pierre. Merci à tous les intervenants à ce webinaire. On va juste accorder, disons une minute, c'était pas prévu que ça soit si courte, l'intervention de Samuel Jean-Louis, qui est Samuel Jean-Baptiste, mon collaborateur, j'allais oublier son nom, qui doit intervenir, c'est notre coordonnateur de plaidoyer ici à la World Vision. Donc Samuel qui va nous parler un peu des implications de ce webinaire, du volet de la discipline positive globalement. Samuel. Merci Jean-Wilkins et bonsoir à tout le monde. Et merci à tout panéliste pour une belle intervention sur la discipline positive. Ceci, m'a regardé dans le chat là et dans toutes les questions qui sont posées. Si nous prenons le temps vraiment pour nous répondre toutes, donc c'est ce que nous apprenons plus qu'en journée. Donc, on nous dit que le webinaire ça allait entrer dans le cadre de campagne effectivement qu'on a fait pour éliminer la violence sur le monde. Et en même temps, tout, il y a un travail que nous allons pour nous faire par la suite, c'est permettre que nous gagnions connexion entre nous-mêmes avec tout le monde qui a participé dans le webinaire là. Donc, comment nous allons faire? C'est sûr que nous gagnons un email de contact et pendant que nous avons enregistré et la role vision dans quatre plaidoyers que nous même avons fait sur la discipline positive et nous pral en fait nous gagnons déjà on dit un réseau de tendresse que nous constituer et que moun qui participait avec nous dans webinaire là pral capable participer ou bien rentrer dans réseau et puis comme ça il est capable joindre canal ça pour que nous capables échanger pour que nous capables partager des contenus autour de la protection de l'enfant autour de la discipline positive des contenus qui permettent que nous poser action plus bien en dans communauté nous en dans espace côté que n'a évolué et comme ça tout à travers email ça email de contact ça autour nous pourrait le cas reporter ou bien partager ensemble d'actions que nous fait à la World Vision. Et déjà, et m'a dit non, email là, c'est haiti_tendresse@wvi.org. Donc, et nous pourrons rester en contact, nous pourrons rester en communication, ensemble de documents pour le partager, ensemble de contenus sur la discipline positive pour le partager avec nous. Et interaction qui pourrait gagner entre eux même avec nous, c'est ça qui pourrait alimenter le réseau puis bien. Donc, déjà, merci. Et on est capable de commencer à dire à chaque grand participant qui est là, déjà bienvenue dans le réseau ça, qui est le réseau de la tendresse, qui c'est un moyen pour que nous encourager des actions positives ou bien des actions qui permettent que nous éduquer, nous protéger, nous faire plaidoyer et puis bien par rapport avec ce monde. Merci à vous, Jean-Wilkins. Merci Samuel, merci beaucoup pour cette intervention. Il a fallu une vraie synergie pour rendre possible ce webinaire ce matin. Je ne sais pas si Fedora veut dire un dernier mot avant de conclure. Non, ça va? Juste pour remercier tout le monde, je sais que tu vas bien le faire, mais remercier encore les intervenants, remercier les participants pour leur intérêt et aussi leur dire de ne pas négliger de continuer à nous suivre. Surtout après ce webinaire, ils auront droit à un certificat de participation, donc qu'ils restent branchés avec nous pour continuer l'effet qu'on veut avoir, l'impact qu'on veut avoir dans le pays. Voilà, merci. Et j'étais en train de dire qu'il a fallu une vraie synergie pour rendre possible ce webinaire. Et je ne dirai jamais suffisamment merci aux participants, aux intervenants, à tout le monde. En fait, nous aussi de l'équipe qui avons mis nos énergies ensemble pour permettre que ça soit une réussite ce webinaire. Merci encore à chacun de vous d'avoir pris le temps mais de nous avoir surtout gratifié de votre précieux temps en ce samedi. Je ne le dirai jamais assez, parce que ce n'est pas facile. Un samedi, vous avez vos affaires personnelles, vos activités personnelles à régler, mais vous avez jugé bon de mettre ce temps
au bénéfice des enfants, car on parlait de la meilleure façon de traiter les enfants. Et Dieu seul vous en remerciera, je pense. Merci beaucoup à chacun de vous d'avoir participé avec nous. Je pense que à une prochaine occasion, on pourra vous entretenir d'autres sujets, toujours concernant le bien-être des enfants. Merci beaucoup. Bon samedi, bon week-end. Allez.